Bonsoir. Il est l'heure. Il y a quelqu'un qui... Ludovic Trépro aura 10 minutes de retard. Il est dans les bouchons. Donc, merci de votre présence. Dernier conseil municipal pour l'année 2021. Donc, un petit point sur la situation sanitaire. Donc, comme vous le savez, il y a pas mal de classes sur la commune qui ferment. Les protocoles ayant changé, il faut 3 enfants en Covid pour fermer. Donc, on a des taux qui sont pas très bons. Il y a encore une classe qui a fermé dans la journée. Donc, on a été contraint d'annuler le repas pour nos aînés. Et je tiens à remercier les élus, les agents, et ainsi que la société qui nous a permis de finalement pouvoir faire des colis. Donc, des plateaux au repas, chacun venait le jour où il devait venir manger. Le spectacle n'a pas donc eu lieu, mais on l'organiserait si tout va bien, mais ça, c'est toujours question sanitaire, pour le printemps. Donc, maintenant, on attendra les dates. Les vœux à la population, malheureusement, cette année, seront annulés. Donc, était prévu le vendredi 7 janvier. Donc, je referai un live comme l'an dernier. Donc, soyez vigilants. Masques, gestes barrières, vaccination. Et un grand merci à Véronique qui fait un grand travail avec la clinique Saint-Jean, justement, pour faire passer les agents aussi de la collectivité qui sont en contact avec le public. Et c'est un soutien précieux. Sur les réunions publiques, on a eu une fenêtre de tir au mois de novembre où on a pu faire une belle grande réunion publique qui était notre première, qui donc va amorcer aussi les réunions de quartier qu'on mettra en place après les fêtes, mais toujours question sanitaire, on va voir ce qu'on pourra faire ou pas faire. Mais en tout cas, la démarche existe. Sur le Conseil des sages, nous avons donc les 12 noms. Donc, les personnes recevront un courrier dans quelques jours. Celles qui ne sont pas retenues, non plus, également un courrier. Donc, ils sont 12. Donc, merci aux élus d'opposition d'avoir fait leur proposition de nom. Ensuite, je souhaite donc la bienvenue à Florian Cigaud suite à la démission de Nicolas Audin pour des raisons personnelles et professionnelles. Donc, Florian Cigaud devient le Benjamin de... du conseil. Léa Bruel n'est plus la plus jeune. Elle n'a pas entendu. Si, si, d'accord. Donc voilà pour les quelques petites annonces. Je vais laisser la parole à Monsieur Fonvieille sur le com. Monsieur Nicolas Audin, qui a démissionné pour des raisons personnelles et professionnelles. Et donc ça a été appelé Florian Cigaud, qui devient le Benjamin du conseil municipal. Monsieur Fonvieille, quelques mots sur la sortie d'autoroute à Fabrègues, où on en est de la situation, ça vous va? Non? Alors, faut que... On appuie, ça marche, oui. Bonsoir à tous. Bon... On a essayé d'étudier en fait un peu le sujet rapidement. Je vous fais une synthèse. On y reviendra peut-être un jour quand on aura vu les maires du secteur. Bon, j'ai fait ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire une feuille de route. On a pris contact avec ISF. On a vu quelques maires et on a vu le département. Donc le principe arrêté aujourd'hui serait de faire un raccordement par le RD 185, c'est-à-dire la route qui mène à Villeneuve-les-Magdoles. Et avant le premier ouvrage d'art, de faire un giratoire et un tourne à gauche pour pouvoir se raccorder sur l'autoroute par le biais d'un péage mixte, c'est-à-dire avec une entrée qui permette de rentrer sur l'autoroute et une sortie qui permette de sortir de l'autoroute en venant de Montpellier. À cette entrée, venant de Fabrègues, il faudrait faire, à mon avis, un ouvrage d'art qui passerait au-dessus de l'autoroute avec une bretelle en direction de Montpellier. Et on est bien évidemment obligé de faire des péages parce que on ne tombe pas sur la 709, on ne tombe pas sur le boulevard urbain, on tombe sur l'autoroute A9. Ce qui veut dire que les gens qui partent sur Lyon, ils sont bien obligés d'avoir un péage, et les gens qui viennent de Lyon, schématiquement, il faut bien qu'ils en aient. Donc ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, c'est un point technique. Les péages ne sont qu'à 20 km les uns des autres. Donc si on veut faire un péage à cet endroit-là, il y a 2 km 600. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un accord, d'une part du ministère... Il y a un accord du Conseil d'État, sachant que ASF est obligé de lancer une étude financière quand même pour regarder si la réalisation
d'une opération comme celle-ci est rentable en termes de coûts. Ce qui veut dire qu'il y aura un travail des politiques très important si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à rentabiliser cette opération financièrement. Bon, ça, ça dépasse le cadre de la réflexion qu'on a menée. Après, on aura certainement quelques difficultés au niveau des études parce qu'on se retrouve de part et d'autre de l'autoroute en zone NA. Donc il y a des réservations qui appartiennent à l'autoroute, aux ASF, de part et d'autre de l'autoroute. Mais au-delà de ces sections-là, il est bien évident que si on fait un péage, il faudra qu'on fasse un parking, il faudra qu'on amène de l'eau, il faudra qu'on amène de l'électricité, il y a des travaux complémentaires, ainsi de suite. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a des études, ce qu'on appelle les études d'impact. Donc une étude d'impact, ça dure un temps relativement long. On passe par la DREAL, on passe par l'autre service de la flotte. Et en général, les études d'impact durent plus d'un an parce qu'elles se font en plus tous les 3 mois pour pouvoir tenir compte de l'évolution de la faune et de la flore, voilà, sur chaque période. Donc on n'est pas au bout de nos peines et l'opération en elle-même, moi je l'estime, mais grosse maille hein, bien évidemment, mais entre 8 et 12 millions d'euros, ce qui n'est pas une somme considérable compte tenu du travail à réaliser et compte tenu de ce qui se fait dans des opérations de travaux publics. Ce qui veut dire, pour conclure, que M. Nunez, qu'on a rencontré avec le maire et avec M. Bélia, nous a dit qu'ils avaient déjà été confrontés à ce type d'opération, que n'étaient que des concessionnaires autoroutiers et que dans la mesure où l'État donnerait son accord, ils étaient tout à fait prêts à faire une étude et à regarder ce qu'il en était. Donc on est là, donc suite au prochain numéro au mois de février. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Fournier. Et j'en profite, à la fin de la séance de la métropole ce matin, je me suis entretenu avec le maire de Saussan et le maire de Fabrègues. Donc on va caler nos agendas pour prochain rendez-vous entre quelques communes de l'Ouest afin d'avancer sur ce dossier qui est très très important. Voici pour les annonces. Donc on va passer à l'appel. Monsieur Rio, Madame Rimbert, Monsieur Plotin, Madame Fabry, Monsieur Pio, Madame Bruel, Monsieur Van Lensel, Madame Pena, Madame Piacentini-Moreau, Monsieur Yvain, procuration, Monsieur Rio, Monsieur Bruguière, Madame Passera de la Chapelle, Madame Biancochène, Monsieur Quintin, Madame Mougin, procuration, Madame Rimbert, Madame Ferret, procuration, Madame Fabry, Monsieur Lefebvre, procuration, Monsieur Plotin, Monsieur Valzac, Monsieur Blanchard, procuration, Monsieur Plotin, Monsieur Trépro, Monsieur Cadieu, procuration, Madame Pena, Madame Morin, Madame De Robert de la Frégère, Monsieur Robin, Madame Misona, Monsieur Boisseau, Monsieur Théol absent, Madame Roland, Monsieur Fonviel, Madame Homs, Monsieur De Boisgelin, Madame Vessio, procuration, Monsieur Robin et Monsieur Sigaud. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir la séance. Il me faut un secrétaire de séance. Ben voilà, pour vous souhaiter la bienvenue, Florian Sigaud, secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Allez, Monsieur Sigaud, secrétaire de séance. Sur les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on va adopter les deux derniers procès-verbaux, donc celui de la séance du 23 septembre et celui du 9 novembre. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Passe au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Vie municipale. Donc là, il y a 5 délibérations que je vais présenter. Donc, changement chez les adjoints. Donc, la première concerne le retrait du titre d'adjointe à Anne Rimbert. Donc, c'est une décision qui est soumise aux voix, mais à bulletin secret. Donc, vous avez tous des enveloppes et des bulletins. Donc, la question. Oui, allez-y. Oui, pardon, allez-y, pardon. Hop.
appuyez sur... Allez-y. Allô. Concernant le maintien ou non des fonctions d'adjointe de Mme Rimbert, ma question elle est simple, mais que s'est-il passé pour que vous soumettiez cela au vote? Est-ce qu'il c'est une question... Voilà, bref, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions de votre part ou de Mme Rimbert? Pour ma part, il n'y a pas de conflit avec Mme Rimbert, il y a juste des... sur des sujets de vie personnelle, de vie professionnelle et aussi de son rôle à la métropole. Donc aujourd'hui, Anne Rimbert est toujours dans le groupe majoritaire, continue à siéger dans le groupe majoritaire de la métropole et continue à siéger dans les différentes organisations de la métropole. Alors, oui, je tiens à vous rassurer, Monsieur Boisseau, nos relations avec le maire sont toujours très bonnes, très respectueuses et très loyales. Il y a eu effectivement un petit souci. J'étais la première surprise. Si, François, tu le permets, j'avais prévu de faire une petite allocution avant le vote. Donc, je vais vous lire cette allocution que je destine aussi aux Védasiens et aux Védasiennes. Je ne sais pas si cela répondra à toutes vos interrogations, mais en tout cas, je tenais quand même à vous dire ces quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est évidemment avec une grande déception et une certaine tristesse que je prends la parole ce soir. J'ai été informée il y a quelques semaines de cette décision brutale de me voir retirer ma fonction d'adjointe déléguée à la culture. Il y a maintenant un mois, lorsque le maire a demandé ma démission, je n'avais aucune raison de lui donner satisfaction. Démissionner serait accepter des reproches infondés, injustifiés et injustifiables. Démissionner serait me désavouer des Védasiens et Védasiennes qui ont voté pour notre équipe. Depuis le début de notre mandat, je me bats pour faire vivre la culture, pour légitimer les actions portées par nos services. La culture devait être l'étendard de notre programme politique. Je me suis investie pleinement auprès des équipes du pôle culture, fortement impactées par la crise sanitaire. Depuis un an et demi, les ressources humaines du pôle ont été fortement mobilisées. Le poste de responsable du pôle culture est toujours vacant, un poste pourtant stratégique pour une ville de 11 000 habitants. Malgré des équipes en sous-effectif, nous avons continué à travailler, nous avons réussi à proposer des actions et des projets de grande qualité. Nous avons adapté nos pratiques, réinventé l'espace scénique, répondu à des projets de partenariat, soutenu et mobilisé les acteurs culturels du territoire. J'ai œuvré avec la même conviction que celle qui m'a guidée pendant toute la campagne, en défendant des valeurs de transparence et de bienveillance. La situation que je vis depuis plusieurs semaines maintenant me semble effectivement en dissonance avec nos engagements premiers. Ce soir, Monsieur le maire renvoie chacun d'entre vous à ses propres responsabilités. Il vous demande d'acter cette décision. Et sachez-le bien, j'en suis la première peinée. Cette décision qu'il fait porter aux élus de la majorité, il devrait pouvoir être le seul à l'assumer. Quoi qu'il advienne ce soir, soyez assurés que je continuerai à défendre nos projets, car je ne doute pas de leur bien fondé, et je veillerai à ce que nos engagements en faveur de la culture soient honorés, par respect pour les Védasiens et les Védasiennes qui nous ont élus. Comme l'a souligné François, excuse-moi, l'a souligné Monsieur le maire, investi au conseil d'administration du MOCO, je vais intensifier ma présence au sein de commissions stratégiques, car la métropole est une instance publique qui défend véritablement la culture et surtout la comprend. Au sein de la métropole, nous parlons un langage commun et nous savons combien une société sans culture ne peut s'émanciper ni grandir. Je terminerai avec ces mots empruntés à une artiste, bien évidemment, une artiste qui s'appelle Frida Kahlo, une artiste libre et engagée. Tellement absurde et éphémère est notre passage dans ce monde que la seule chose qui me rassure, c'est la conscience d'avoir été authentique, d'être la personne la plus ressemblante à moi-même que j'aurais pu imaginer. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et oui, la culture est l'étendard et restera l'étendard de notre groupe. Madame Misona. Ça marche ? Oui. Au risque de répéter un petit peu, ça n'a donc pas eu l'air si consensuel comme départ, enfin comme retrait. Vous aviez fait le choix effectivement d'un symbole fort, Monsieur le maire, avec une première adjointe à la culture. Vous revenez aujourd'hui dessus
Tout comme vous avez abandonné votre projet de nouveau pôle d'éducation artistique prévu à votre programme, comment peut-on interpréter ces renoncements ? C'est suite à de longues, longues réunions avec les services où on a fait le choix finalement de garder la culture au chez littéral. Donc ça c'est, oui on peut appeler ça un renoncement, mais ça ne veut pas dire qu'on réduit la culture à Saint-Jean-Védas. C'est juste qu'on ne les met pas dans le même lieu qui était initialement prévu dans notre programme. Donc déjà ça, on est à l'aise avec ça. Et vous allez voir tout à l'heure dans les différentes délibérations que la culture ne disparaît pas de notre vie politique municipale. Oui. Pour le coup, bon, c'est juste un petit commentaire, effectivement. Et, je me rappelle du dernier conseil où pour le coup, vous ironisiez sur la bonne santé politique au sein des groupes d'opposition. Force est de constater qu'il en est de même, peut-être, voire pire, dans le groupe majoritaire. Et en tout cas, pour ma part, je m'associe vraiment aux propos d'Alain Bert quant au constat qui est fait sur peut-être effectivement le manque de moyens et notamment... Le poste de responsable de la culture en est l'emblème, alors que depuis de très nombreuses années, Saint-Jean-de-Védas est réellement une ville qui est reconnue et qui rayonne par son projet culturel. Il est extrêmement dommage aujourd'hui de voir de très nombreuses années de travail, peut-être sacrifiées au fur et à mesure. Voilà. Monsieur Bélia hoche la tête, c'est à monsieur le maire que je m'adresse. Mais je vais vous répondre. On va attendre l'Europe et puis on va attendre le vote du budget le mois prochain et vous verrez bien que la culture n'est pas sacrifiée à Saint-Jean-de-Védas. Et bien au contraire. Donc, vous avez des bulletins devant vous. Donc la question est simple. Maintien ou non des fonctions d'adjoint au maire après retrait de l'ensemble de ses délégations. C'est bon pour vous ? On fait le vote à bulletin secret. Monsieur Lalleux, comme la fois dernière, ça vous va ? Ceux qui ont une procuration, n'oubliez pas de voter deux fois. Alors apparemment, il y en a plein qui ne comprennent pas si on met oui ou non. Monsieur Lalleux. Monsieur Lalleux. Certains ne comprennent pas ce qu'ils doivent mettre sur le bulletin. C'est technique. La question... je vais intervenir au micro de monsieur le maire, mais la question qui a été posée, c'est... Monsieur le maire, c'est est-ce le maintien ou non de Madame Rimbert aux fonctions d'adjoint au maire ? Donc maintien, c'est oui, non maintien, c'est non. Et je comprends bien la question. Techniquement, c'est comme ça. Et abstention pour ceux qui veulent s'obtenir ou bulletin blanc, naturellement. C'est bon pour tout le monde ? Pas de questions ?
tout le monde sait qu'il y a une procuration, on fait un retour. Ceux qui ont 6 enveloppes, vous votez 2 fois à chaque fois. On va prendre le doyen, le Benjamin. T'as perdu l'habitude d'hier. Je sais, il y a quelqu'un qui a laissé un micro allumé, non, peut-être, je sais pas. Jacques Bruguière, Florian Figo, pour dépouiller. Pour dépouiller. Il n'y a pas un micro volant qui est allumé chez vous ou là, Jean?
Madame Homme, si vous voulez aller vérifier, vérifiez, il n'y a pas de souci. Ben allez-y, hein, levez-vous. Et si vous voulez faire l'annonce des résultats, faites-le. Hein. Attends, avec le micro, ce sera beaucoup mieux, même pour ceux qui nous suivent en direct. Nous avons donc 6 bulletins blancs. Nous avons ensuite 3 et 5 oui. Bulletins non, ça doit donc faire le compte, 32 au total, 32 votants. Merci beaucoup. Je renonce les résultats, tout le monde les a entendus, c'est bon? Tout le monde a entendu les résultats, c'est bon? Oui, allez-y. Voilà, juste une petite observation pour noter qu'il y a donc 5 membres de votre majorité qui s'opposent à votre proposition de démettre Madame Rimbert de son poste de première adjointe. Voilà, je vois l'unité de votre majorité ce soir. Comme je vois l'union de votre groupe. Donc les résultats, 6 blancs, 5 oui, 21 non. Délibération suivante, la deuxième. Donc la deuxième délibération est purement administrative. En conséquence de la précédente délibération, elle nous invite à nous prononcer sur le maintien du nombre de 9 adjoints et sur la nécessité d'élire un nouvel adjoint. Questions, remarques? Donc on se met au vote. Qui ne prend pas part au vote? 1, 2, 3. Ah, 4, j'ai pas vu la main de M. Fonvienne. Qui vote contre? Adopté pour le reste. Question numéro 3, donc toujours à bulletin secret, celui-ci aussi. Donc suite à cet avis favorable donc, de la question 2, nous allons à présent procéder à l'élection du nouveau premier adjoint. Et je propose donc la candidature de Véronique Fabry en raison de son engagement depuis un très long nombre d'années, de sa présence auprès de moi quasi quotidienne. Et donc voilà, je propose Véronique Fabry au poste de premier adjoint. Y a-t-il d'autres candidats? Non? Allez, on vote, on va vous faire passer l'urne. À bulletin secret.
Monsieur Fonvier, il cherche du monde à la com pour les distributions sur les marchés. Je propose Madame Homs et Monsieur Sigaud pour le dépouillement. Blanc. Ah, pardon, un oui. Et les autres, c'est pareil, vous avez le côté. Oui. Un oui. 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 Donc c'est le non, c'est un oui. Véronique Fabry. Voilà. Madame Fabry aussi. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry, toujours. Madame Fabry. Idem. Oui. Un autre oui. Oui. Oui, toujours. Toujours oui. Madame Fabry. Madame Fabry. Là, ça sera vite compté. Là. Madame Rimbert. Monsieur Fonvieille. Madame Rimbert. Une enveloppe vide. Madame Fabry. Madame Fabry. Oui. Et blanc. Voilà. Excusez-nous, mais les oui sont des bulletins nuls. Hein. Les oui sont des bulletins nuls. Les bulletins Véronique Fabry comptent pour Véronique Fabry. Et les bulletins oui comptent pour des bulletins nuls.
mais la délibe précédente. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il fallait que les gens mettent le nom de la personne qui sera élue, et pas un oui ou un non. C'est la question précédente qui était oui ou non sur le maintien. Voilà. Là, il s'agit bien de voter pour on quelqu'un. On est entièrement d'accord. Donc, on va dépouiller. Si Mme Fabry n'a pas la majorité, on refera un deuxième tour. Donc Madame Fabry a fait 14 voix. Donc ceux qui ont mis oui, c'était qui voulaient pour voter pour Madame Fabry. Mais on est donc obligé de refaire un deuxième tour. Et ceux qui ont mis oui, si vraiment vous voulez Madame Véronique Fabry, il faut écrire Véronique Fabry sur le bulletin. S'il vous manque des papiers, vous nous le dites. Il vaut mieux faire un deuxième tour que ça passe pas le contrôle de l'égalité de la préf. Hein. On est entièrement d'accord. Quand j'avais dit qu'il fallait amener les sacs de couchage ce soir.
Qui veut dépouiller ? Madame Homs toujours ou quelqu'un d'autre ? Madame Misona ? Allez, Léa. Non ? Madame Morin, pour changer ? Vous dépouillez avec Madame Misona ? Merci. Encore une dans l'urne. Allô, un bulletin blanc. Monsieur Fonvieille. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Anne Rimbert. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Madame Fabry. Véronique Fabry. Pardon, c'est moi. Madame Fabry, un bulletin blanc, blanc, enveloppe vide, nul. Anne Rimbert. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Véronique Fabry. Ça nous fait 20. Oui. Oui. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry. Madame Fabry, Véronique. Véronique Fabry.
Alors, nous avons deux bulletins pour Anne Rimbert, un pour M. Fonvielle, 25 pour Mme Véronique Fabry, 3 blancs et un nul. Donc, toutes mes félicitations à Véronique Fabry, qui est la nouvelle première adjointe de notre belle ville. S'il n'y avait pas le Covid, je t'embrasserais pour te féliciter. Vas-y, appuie. Ben, merci à tous de votre confiance. J'espère que je serai à la hauteur. Je vous remercie, monsieur le maire, pour cette confiance qui m'est donnée. Je sais qu'on se connaît depuis longtemps et j'apprécie beaucoup. Je voulais dire tout mon respect pour Anne, de tout ce que tu as fait. Je sais que tu as été très présente pendant la campagne et je pense qu'on continuera à collaborer. Pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai toujours autant de respect pour toi et d'amitié. Voilà, je voulais vous remercier à tous et je voulais m'excuser, je vais être obligée de m'absenter pour des raisons familiales. Je serai obligée de partir tout à l'heure. Je voulais m'en excuser. C'était pas prévu, donc c'est au dernier moment. Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez... Bon, nous allons, je crois, dans la prochaine affaire... procéder à l'élection d'un nouveau 9e adjoint, si je comprends bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus désormais aussi sur les délégations ? Est-ce que Véronique Fabry, félicitations Véronique pour cette élection, tu sais à quel point j'estime toute ton action, mais comment vous allez redéfinir les différentes délégations ? Comment, à quel endroit va se trouver la culture, etc. etc. Voilà. La culture, ça sera à droite. Ça ne change pas. Donc la question, alors, pour vous expliquer la suite, c'est que nous avons aujourd'hui 9 adjoints, 3 conseillers municipaux délégués. Les conseillers municipaux délégués ne sont admis que si tous les postes d'adjoints sont pris. Donc là, à 18h55, il y a un poste d'adjoint qui est libre. Et donc, si on laissait ce poste d'adjoint libre, on serait dans l'obligation de retirer les délégations aux conseillers municipaux délégués. Donc nous allons, dans la question 4, qui sera un vote soumis à main levée, décaler l'histoire des rangs. Ce qui va permettre à la question 5 d'élire un nouvel adjoint, qui sera, donc je vous l'annonce maintenant, qui sera Ludovic Trépreau. On propose son nom, après il peut y avoir d'autres candidats. Et donc Ludovic Trépreau garde sa délégation, mais passe de conseiller municipal délégué à adjoint. Et donc, vous vous séparez d'un conseiller municipal délégué ? Ce jour, oui, mais il y a une charge de travail très importante. Et je sais qu'il y a aussi des conseillers municipaux aujourd'hui qui nous donnent, en tout cas, un grand coup de main sur certaines délégations. Et donc, on va voir peut-être à donner des petites missions à des conseillers municipaux avec une délégation. Mais ça, ce sera dans un autre temps. Et Véronique Fabry donc conserve l'ensemble de ses délégations actuelles, plus la culture. La culture. Ça fait beaucoup de boulot quand même. Elle aime travailler. Elle le fera très bien. Ça ne changera pas de ma vie habituelle. Donc vous avez compris la question 4. Donc c'est fait suite à la délibération numéro 2. Donc cette délibération, elle est purement administrative, elle vient en conséquence avec celle que nous venons de voter et propose une simple mise à jour des tableaux des élus. Véronique Fabry était numéro 3e rang, passe 1er rang, les autres, tout le monde remonte et on se retrouve avec le numéro 9 vacant. Donc il s'agit de se prononcer sur ces deux points, donc je soumets aux voix. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre, adopté à l'unanimité. Dernière délibération sur ce sujet-là, donc qui va se dérouler à bulletin secret une fois de plus. Je propose donc la candidature de Ludovic Trépreau, conseiller municipal délégué à la jeunesse, qui gardera sa délégation, mais deviendra adjoint. Y a-t-il d'autres candidats ? On passe donc au vote. Sur le bulletin, vous ne mettez pas oui, vous mettez Ludovic Trépreau. Je l'épelle. T-R-E-P-R-E-A-U.
C'est bon pour tout le monde ? Allez. Deux personnes. Monsieur Robin, Claire, donc Claire, elle l'a fait, Camille Roland. Allez. Sauf s'il y en a d'autres qui veulent y aller, mais... Prépo, Ludovic. Ludovic Prépo. Ludovic Préto. Ludo Prépo. Prépo, c'est bon. Attendez, on va faire des pas parce que l'orthographe est pas bonne. Ouais.
Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Anne Rembert. Rembert. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Trépro. Anne Rembert. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Monsieur Trépro. Monsieur Trépro. Monsieur Trépro. Monsieur Trépro. Monsieur Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Ludovic Trépro. Et un blanc. On en a trois à l'orthographe très imprécise. Donc on les considérera comme nuls. Le T est plutôt un P. Quand à la lecture, on dit plutôt, on voit plutôt un P, même s'il n'y a pas de, ça ne va pas jouer sur les résultats, mais il faut les compter comme nuls. D'accord. C'est vous qui jugez, mais là. On va les compter comme non valables. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc trois, on va dire, non valables. Un blanc. Et trois pour Madame Rembert. Et 25 pour Monsieur Trépro. Merci beaucoup. Donc 9e adjoint, Ludovic Trépro. Félicitations. La petite écharpe. Allez, on continue. Administration et personnel. Donc Véronique Fabry a dû nous quitter comme elle l'a annoncé. Je viens de récupérer sa procuration. Monsieur Lalleux, j'ai la procuration de Madame Fabry. Hop. Donc, attribution de prestations sociales de départ en retraite du personnel communal. Donc c'est la question numéro 6. Donc lors de la séance du 4 juin 2020, le conseil municipal avait voté l'attribution aux agents d'une prestation d'un montant de 500 euros plus 60 euros par année d'ancienneté au moment du départ à la retraite. Or, concrètement, il s'avère que ce versement est rendu difficile du fait de sa condition impérative mentionnée dans la délibération. Sera déduit de ce montant l'aide de départ en retraite versée par le COS à l'agent.
En effet, ce montant d'aide du COS permettra de calculer la prestation de la collectivité, mais connu que plusieurs mois après le départ de l'agent. De ce fait, l'agent retraité étant radié des effectifs de la collectivité, il ne peut pas se voir verser de prestations de la part de la collectivité au moment de son départ. Pour rendre effectif le versement de cette prestation, et après avis du comité technique en date du 6 décembre 2021, il est proposé une nouvelle formulation permettant de supprimer la phrase problématique. Ainsi, les conditions d'octroi seraient montant 500 € plus 60 € par année validée. Et ensuite, les bénéficiaires, les agents titulaires et non titulaires de droit public. Ces prestations d'action sociale sont distinctes de la rémunération de l'agent et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent. Y a-t-il des questions ? Oui. Monsieur Fonveille. Le micro. Est-ce que ces indemnités-là sont soumises aux cotisations sociales, à la fois pour le salarié et à la fois pour la collectivité ? Allez-y, monsieur. Le minimum, de toute façon, ça sera CSG, CRDS. Toutes les cotisations sont soumises, même si c'est, il n'y aura pas de cotisation retraite dessus, mais ça sera une cotisation CSG, CRDS. Plus retenu hier, s'il y a, un pourcentage d'hier sur la rémunération, impôt sur le revenu. Oui. Merci. Madame Mizona. Oui, moi j'avais quelques questions, enfin des précisions. Le comité des œuvres sociales est bien financé par la collectivité majoritairement et par l'adhésion des agents. Quel est le montant de financement, enfin la part de financement de la collectivité ? Vous avez la réponse. Oui. Le comité des œuvres sociales, c'est le comité des œuvres sociales. Il est géré par le centre de gestion et il est alimenté par les cotisations de toutes les collectivités adhérentes du centre de gestion. Donc, on met dans un pot commun des sommes et les agents bénéficient de ces sommes. Alors, pour répondre à votre question. La collectivité donne annuellement, à ce jour, hein, je vous fais de mémoire, mais je crois que c'est 51 000 euros à l'année. Donc c'est en fonction du nombre d'effectifs que l'on a qui sont éligibles. J'ai fait un point il n'y a pas très longtemps, parce qu'on était en fin d'année, entre la somme donnée et la somme distribuée. La somme distribuée est supérieure à la somme donnée. Ça veut dire que nos agents bénéficient, alors que ce soit par les primes rentrées scolaires, par le chèque culture, par les bonifications sur les chèques vacances en fonction de... Il y a trois tranches. Hein, en fonction des tranches ou des aides au CESU et ainsi de suite, il y a une multitude de choses, hein, des réductions vacances, bénéficient largement de la somme qui a été mise chaque année par la collectivité. D'accord. Moi, je me posais juste la question. Hein, je suis bien sûr favorable à un régime social pour les agents. C'est pas ce qui est en cause. Mais ce qui pouvait me poser un problème, c'est d'aboutir à un double versement d'une prestation par la collectivité publique, d'une part indirectement et d'une autre part directement. Je pense que c'est ce qui avait pu justifier la formulation sera déduite de ce montant, l'aide de départ en retraite versée par le COS. Est-ce que de ce fait, il n'y aurait pas plutôt un moyen pour revoir le mode de versement de la prime du COS ? Pourquoi c'est si long à obtenir le montant ? Il faut que l'agent soit retraité. Donc il faut qu'il ait son arrêté de radiation des cadres pour qu'il puisse présenter son dossier au COS. Et s'il a un dossier de radiation des cadres, dans la collectivité, il ne peut plus bénéficier a posteriori de la somme. C'est ça qui avait comme ambiguïté, c'est que lorsque la délibération de juin 2020 avait été votée, les sommes étaient les mêmes, hein, les personnes éligibles étaient les mêmes, sauf qu'on disait ne bénéficieront du versement qu'après déduction de la somme versée par le COS. Alors, on les a mis dans les délibérations, hein, en fonction des tranches d'imposition, tu as une somme qui est dégressive, qui va de 450 à 250. Je vous le fais de mémoire, hein, je n'ai pas le dossier sous les yeux exactement. Donc, ça pose problème, ça a posé problème. On n'a pas 50 agents qui partent tous les ans en retraite. Hein. Donc le delta qui est en jeu, c'est entre 450 et 250 € de plus dont vont bénéficier les agents en prenant cette délibération.
Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on a dû avoir, là, on a 2 départs en retraite au 31 décembre. On a 3 départs en retraite. On n'est pas sur une courbe avec des personnes qui sont en fin de carrière. Donc, la solution, c'était de dire, ils bénéficient sur leur dernière paye de la collectivité de la prime départ. Ils ont leur arrêté de radiation des cadres. Une fois qu'ils ont l'arrêté de radiation des cadres, ils se présentent, ils font leur dossier COS, sachant que les retraités bénéficient aussi du COS. Ils font leur dossier COS pour obtenir la prime retraite auprès du COS. Très bien, je vous remercie. D'autres interventions ? Donc on passe aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote ? Abstention ? Madame Isona, abstention. Adopté pour le reste. Question suivante, affaire numéro 7, donc dérogation à la durée légale du travail et au contingent d'heures supplémentaires. Alors, comme vous savez, 2022, c'est le recensement total de la population qui va débuter le 20 janvier et qui se terminera le 19 février 2022. On a beaucoup, beaucoup de manques. Donc, si vous, je fais un appel, il nous manquerait une quinzaine d'agents. Donc, si vous connaissez autour de vous des gens qui sont prêts à participer au recensement, qui nous fasse parvenir un courrier rapidement. Donc là, la délibération numéro 7, elle est très simple, c'est pour permettre à nos agents de la collectivité de pouvoir faire des heures supplémentaires en dehors de leurs heures de travail, que ce soit dans les écoles, aux services techniques ou à la mairie, de pouvoir faire le recensement. Y a-t-il des questions sur la question numéro 7 ? Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est quelques précisions. Dans l'affaire suivante, nous aurons à nous prononcer sur le recrutement de 27 agents recenseurs vacataires pour fixer leur rémunération. Vous dites donc que la commune a été découpée en 27 secteurs. Il y aura donc 27 recrutements. Donc, concernant les agents volontaires, ils seront en plus, c'est ça, des personnes recrutées ? Ils seront dans ces 27. Ils feront partie des 27. La commune va être coupée à 27. D'accord. On a des agents recenseurs qui sont en cours de recrutement, qui ont leur secteur. Et on a aussi également des agents de la collectivité qui souhaitent être ces agents-là. Donc, hors temps de travail, mais en heures supplémentaires, feront aussi, donc viendront combler les secteurs manquants aujourd'hui. D'accord. Donc, concernant leur rémunération, les vacataires auront leur rémunération que nous allons voter après, et les agents auront donc une rémunération qui sera haute, qui sera basée sur les heures supplémentaires, c'est ça ? Non. Non. Parce qu'ils seraient payés en heures supplémentaires, donc bonifiés, dans le cas où ce serait la collectivité qui leur demanderait de faire des heures supplémentaires un soir ou un week-end. Là, c'est, entre guillemets, un deuxième travail. Mais quand vous avez même un deuxième travail, vous êtes soumis à la réglementation du nombre d'heures légales du travail par semaine, avec les jours de repos, les heures de repos entre la fin de la journée et le début de l'autre journée. Donc, ce n'est pas des heures supplémentaires. D'accord, merci. Voilà. Je soumets aux voix la délibération numéro 7, qui ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Affaire numéro 8, donc je l'ai présenté avec la 7, vous avez des questions ? Le titre, c'est autorisation de recruter 27 agents. Pas de questions. Je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Une abstention, monsieur de Beaujolais. Adopté pour le reste. Monsieur Fonvieille, c'est pour vous. C'est la partie. Question numéro 9. Donc, on passe aux finances. Donc, c'est le conseil municipal le plus important dans l'exercice. C'est la présentation du rapport d'orientation budgétaire, qui est pour moi quelque chose d'important et qui est très important pour la vie des collectivités. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Paul Piau, adjoint en finances. Il y a une délibération avant ? Ah, qui a été rajoutée, que je n'ai pas sur celle-ci exacte. C'est une décision modificative. Et ensuite, il y a la question suivante sur le budget. Monsieur Piau. Bonsoir à tous. Donc effectivement, avant la présentation du DOB, une première délibération est entrée, une décision budgétaire modificative dans le numéro 3. Donc cette délibération vise à procéder à des ajustements sur les crédits votés au titre de l'exercice 2021
Et donc, dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'exercice en cours, cet ajustement est apparu nécessaire entre les différents chapitres des sections d'investissement et de fonctionnement du budget principal, ceci afin de pouvoir passer intégralement les travaux en régie et réalisés par les services municipaux techniques. Donc, le montant du chapitre 42 se voit augmenter d'un montant de 50 000 euros par rapport à la prévision budgétaire initiale et devrait donc s'établir à la somme de 357 051 euros. Donc, à noter que cette recette est liée aux travaux réalisés en régie par les services techniques. Donc, le montant du chapitre 40, quant à lui, qui correspond aux opérations d'ordre de transfert entre section de dépenses d'investissement, devrait être augmenté lui aussi de 50 000 euros et devrait s'établir à la somme correspondante de 357 051 euros, comme précisé au préalable aussi. Donc, ceci en évaluation par rapport à la prévision budgétaire initiale et en vue d'assurer l'équilibre entre les chapitres. Afin d'équilibrer cette décision, donc, le montant du chapitre 23, virement à la section d'investissement, sera augmenté lui aussi de 50 000 euros et passera donc à 1 786 265 euros. Et le montant du chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, sera également augmenté de la même somme et passera lui aussi, en visant l'équilibre, à 1 786 265 euros. Donc, si vous n'avez pas de questions, je laisse la parole à monsieur. Allez-y, je vous laisse la parole. Ouais, mais c'est pour bien comprendre du coup. En fait, quand vous dites, je comprends pas là cet endroit-là, afin de pouvoir passer intégralement les travaux en régie réalisés par les services techniques municipaux. C'est donc qu'il y a des travaux en régie qui ont été réalisés par les services, donc qui n'ont pas coûté, on va dire, à la collectivité, c'est bien ça ? Ils n'ont pas coûté... En fait, il y a un coût, mais il est assumé par le débit d'un chapitre, mais derrière, il revalorise des biens et des investissements. Donc, du coup, il faut augmenter, à ce titre-là, la valeur des investissements, des travaux réalisés, et qui de ce fait, augmente la valeur, en fait. Et donc, ces 50 000 euros qui étaient dans la section de fonctionnement, vous le passez dans la section d'investissement à l'occasion de cette DM, en fait. C'est ça, c'est bien. C'est tout simplement le... Donc on compasse effectivement la recette créée, on valorise les chapitres concernés et effectivement donc, il y a des opérations, ce sont des opérations d'ordre donc comptable qui visent à assurer effectivement le transfert des sanctions des sections recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement, tout à fait. Et quel était l'intérêt de le passer en investissement? Parce qu'au regard de ce qu'il existe déjà en épargne pour l'investissement, 50 000 euros c'est relativement peu ouais. En fait au regard de la capacité d'autofinancement et du transfert vers la section d'investissement. Par exemple, 50 000 euros, il y avait de quoi recruter deux cadres pour la direction de la culture, par exemple. En fait c'est la réalisation de ce travail. Deux, un et demi. Quand vous cherchez du boulot. Pardon. Ben, j'attends de voir l'annonce. Je postulerai avec plaisir. En fait, déjà, y a les travaux réalisés augmentent quand même la valeur, la valeur mobilière sur les investissements. Donc, du coup, ça potentiellement, ça augmente la valeur des biens immobiliers détenus par la commune. Donc, du coup, il faut en tenir compte en matière comptable pour pouvoir, effectivement, au titre de la valeur de ces biens, que ça soit bien intégré et bien comptablement intégré, en fait. Et après ? Après, on va peut-être demander à monsieur. Si vous permettez, je vais compléter. Donc, les travaux, pour vous répondre, monsieur Bossou, les travaux en régie, c'est les travaux qui sont faits sur des immobilisations par les services techniques. Comme le disait monsieur Piau, en fin d'année, on doit valoriser les travaux faits en régie. Donc, cette valorisation s'effectue par les écritures d'ordre qu'on vous a exposées. Donc, dans un premier temps, on va prendre ce qu'on a dépensé comme achat de matière pour faire ces travaux en régie. On va valoriser le temps de travail qui a été réalisé par les agents techniques sur ces sites. Et c'est une délibération que vous avez votée dans un précédent conseil municipal où vous avez voté qu'un agent technique avait une valeur 17 euros et ainsi de suite. On va prendre le temps passé par les agents, la matière, et on va la passer en investissement. Et sur la fiche IMO du bien, on va valoriser ces biens. Qu'est-ce que ça nous sert? Ça nous sert pour deux choses. C'est qu'on récupère le FCTVA sur la partie achat que l'on n'a pas en fonctionnement. Et la deuxième chose, c'est de mettre en cohérence la valeur de notre bien avec la réalité physique. Donc, soit si vous étiez passé par l'entreprise, aujourd'hui à Saint-Jean-de-Védas, on a un service technique multifonction, vous passez par l'entreprise, vous passez la facture directement en investissement et vous récupérez le FCTVA. Comme on fait les travaux en régie et que c'est un caractère novateur ou réparateur du bien, on le passe dans un premier temps en fonctionnement
Et en fin d'année, on valorise les opérations en régie sur chaque fichier mot des travaux réalisés en régie. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est... En fin de compte, c'est... Vous n'avez que des écritures d'ordre et ça ne joue pas sur l'autofinancement. Il n'y a aucun rapport sur l'autofinancement. Merci beaucoup. Monsieur Fonvieille. On a été confronté au même sujet quand on a fait l'espace vert de Garcia-Lorca, là, à l'intersection en face du collège. En fait, on a attaqué tout le chantier en régie avec nos gars. Voilà. Et on s'est aperçu qu'à un moment donné, on n'allait pas y arriver en termes de moyens et de temps. Voilà, parce que la technique était un peu trop compliquée et on n'avait pas le matériel à la mairie pour pouvoir le faire. Et donc, on a fait appel à ce moment-là à la Colas pour pouvoir donner un coup de main pour compléter. En fait, bon, ce qui veut dire qu'on est obligé à un moment donné, dans des fonctionnements, d'avoir des échanges de ce type-là. Et au niveau financier, c'est difficile à gérer parce qu'on se retrouve en cours d'opération avec des parties qui sont où à un moment donné, on est coincé. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je félicite les agents des services techniques qui font un travail en interne, un travail de régie formidable. Une autre intervention ? Donc, je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Question suivante, le ROB. Monsieur Piau, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, nous attaquons le plat principal au niveau des finances pour ce conseil municipal. Donc, le débat d'orientation budgétaire de 2022. Donc, pour mémoire, il constitue une étape obligatoire et essentielle de la procédure budgétaire et doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif qui est prévu, lui, pour le 27 janvier prochain. Donc, son objectif, discuter les orientations budgétaires et informer sur la situation financière de la commune. Donc, nous allons donc étudier ça sous l'aspect de plusieurs parties. Donc, ça se décompose de la sorte avec, dans un premier temps, l'examen des éléments de contexte pour 2022. Viendra ensuite la présentation de la construction budgétaire pour 2022 et les équilibres financiers. Ensuite, un focus sera porté sur les grands projets d'investissement donc au titre de l'exercice 2022. Un autre thème concernera les éléments de la dette et enfin une synthèse du budget vous sera présentée. Donc, reprenant un petit peu de façon synthétique la situation telle qu'elle vous aura été présentée au titre de ce document. Donc, concernant les éléments contextuels, donc, il faut savoir qu'au niveau économique, le projet de loi de finances 2002 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, donc permettant un rétablissement progressif des finances publiques avec une croissance du PIB estimée à hauteur de 6%. Et donc une croissance pour 2022 anticipée et estimée à 4% la concernant. Donc le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022 et donc une réduction de moitié du déficit en 2022 sera assurée grâce à la sortie des mesures d'urgence. L'inflation, quant à elle, se stabilise à 1,5%. Donc c'est bien évidemment, ces projections restent dépendantes de la situation financière, situation sanitaire que nous rencontrons. Et donc son évolution risque de les impacter. Donc à ce jour, nous n'avons pas encore une vision complète et totale, sachant que nous pouvons être impactés par les conséquences de la crise sanitaire. Donc les mesures principales inhérentes à la loi de finances initiale pour 2022 sont les suivantes. Donc les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, donc qui sous-entend une dotation globale nationale de fonctionnement stable. Les dotations d'investissement intéressantes aux communes sont stabilisées aussi, avec une dotation d'équipement des territoires ruraux, donc la DETR stable à 1,46 milliard. Dotation de soutien à l'investissement local des CIL à 337 millions, en lien avec le plan de relance. Donc il y a la confirmation de la baisse de moitié des valeurs locatives des établissements industriels comme en 2021, mais avec une prise en compte d'un dynamisme de la compensation qui est actée et prévue. Donc, il y aura une revalorisation également forfaitaire des valeurs locatives foncières. Concernant la construction budgétaire et les équilibres financiers, Donc, le projet de budget primitif 2022 a été construit en retenant les grands enjeux et projets communaux et la volonté aussi de contenir les ratios de solvabilité à un bon niveau. Donc, sont concernés les niveaux d'épargne et la capacité de désendettement. Les orientations 2022 visent à garantir une politique budgétaire saine et maîtrisée, toujours notre objectif
poursuivis depuis l'année dernière. Et certains éléments fiscaux ne seront connus que plus tard. Et à ce stade, la préparation budgétaire, à ce stade-là, des inconnus persistent, notamment en ce qui concerne certaines bases fiscales. Donc ces dernières seront susceptibles de modifier les items qui vous seront présentés. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain conseil municipal, si vous le souhaitez. Alors, concernant la construction budgétaire pour 2022 et les équilibres financiers, une vue d'ensemble, normalement, vous est présentée concernant la section de fonctionnement, avec à titre principal donc les charges à caractère général, les dépenses de personnel. Donc, vous pouvez constater effectivement l'évolution au titre du tableau qui vous est présenté, donc le budget primitif 2021, le budget primitif total, comprenant les décisions modificatives aussi, et donc le budget primitif 2022, avec l'évolution en pourcentage des uns par rapport aux autres. Donc on va passer sur le tableau, je vais le détailler un peu plus dans les diapositives qui suivent. Donc en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc à noter les produits des services et du domaine qui se voient augmenter de 2%, donc dû à l'augmentation de la fréquentation des services municipaux et donc des tarifs adoptés à la rentrée 2021. La fiscalité, donc chapitre 73, a augmenté de 1%. Les taux fiscaux seront stables pour l'année 2022, comme ils seront stables pour tout le mandat si le législateur ne vient pas pénaliser les budgets locaux pour financer le déficit étatique. Les dotations et participations, quant à elles, se voient augmenter de 11%. Donc ce chapitre correspond principalement à la dotation globale de fonctionnement, aux dotations versées par la CAF et l'accompagnement des politiques enfance, éducation et jeunesse, ainsi que les compensations fiscales versées par l'État au titre des exonérations décidées par le législateur. Concernant les autres recettes, ces dernières augmentent de 47%, et donc l'augmentation est principalement liée aux dons de mécènes accompagnant le Festival des Arts de Rue, avec un montant de 225 000 euros, et donc sont concernés aussi les remboursements de salaires au titre des arrêts maladie et les loyers perçus à titre d'usage des biens municipaux par des tiers. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc chapitre 11, celles-ci sont en augmentation de 11,9% par rapport au budget total 2021. Et donc, les principales conséquences sont... ce montant est dû par rapport à l'inscription de crédit pour un festival des arts de la rue complet en 2022 contre une seule journée en 2021. Donc, un prévisionnel de 225 000 euros en 2022 contre 50 000 en 2021. Une prévision de crédit pour la conclusion de garanties de dommages aux ouvrages pour les grands projets d'investissement lancés ou réalisés en 2022. L'allocation annuelle d'un Algeco pour une classe supplémentaire à l'école Carbrol, qui aura aussi un coût certain et assumé par la commune. La prise en compte des frais de fonctionnement des nouvelles classes ouvertes en septembre 2021 sur une année pleine et complète. Des prévisions de crédit pour relancer le jumelage avec la ville de Libria. Et un plan de formation ambitieux en faveur de la prévention de tous les risques professionnels, à savoir donc les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Concernant le chapitre 12, donc outre le GVT, ce qu'on appelle en fait le lissement vieillesse et technicité, l'évolution de la masse salariale 2022 s'explique principalement par le recrutement des agents recenseurs, dont M. le maire a eu l'occasion de vous parler tout à l'heure, donc agents recenseurs et coordonnateurs dans le cadre du recensement total de la population, les heures supplémentaires nécessaires au paiement des agents qui coordonneront et participeront aux opérations électorales d'avril et juin 2022, donc effectivement il y a deux élections sur le cours de cet exercice, donc ça aura un coût à assumer pour la commune. Le recrutement d'un régisseur lumière, d'un agent à temps complet en charge des marchés publics et des assurances, et au second semestre d'un agent au service des espaces verts. Donc, se figureront aussi au titre de ce chapitre 12 le coût complet des recrutements actés en 2021, l'augmentation importante de la cotisation versée par la collectivité au titre de l'assurance statutaire, et enfin l'intégration dans les services municipaux de personnes bénéficiant d'un accompagnement au titre de parcours emploi et compétences. Et donc, par contre, nous bénéficierons du fait de cette intégration à des recettes en contrepartie. Donc, vous avez l'évolution des dépenses de personnel au cours des différentes années. Donc, si on veut des services publics de qualité et forts, donc il faut absolument que le personnel soit présent. Et nous tenons aussi compte, bien évidemment, comme nous l'avions précisé de façon concrète au dernier exercice, de l'ouverture de classe, donc avec tout le personnel que ça sous-entend et les charges auxquelles cela correspond. Donc, vous avez ensuite donc, le nombre d'agents, donc le total effectif qui s'élève désormais à 253.
Vous avez la répartition par des effectifs par filière, donc en fonction de leur contrat. Vous avez la répartition des effectifs par genre et des effectifs par âge. Vous avez ensuite une répartition, un camembert qui présente une répartition des dépenses de personnel en kilo euro au 31 décembre 2021. Donc en résumé, donc, vous vous retrouvez donc avec des recettes de fonctionnement qui correspondent aux produits et services du domaine, donc l'augmentation des recettes perçues auprès des usagers en lien avec les équipements communaux, une fiscalité à 1%, donc les recettes provisoires de la fiscalité directe à hauteur de 10 millions d'euros, mais dont chiffre à parfaire en fonction de la revalorisation de certaines bases. Et donc, avec la réception de l'état fiscal 12,59 pardon, au fin du premier trimestre 2022, taxe sur les pylônes, taxe sur la consommation finale d'électricité, FPIC, pardon. Ensuite, vous avez donc la dotation, une dotation à hauteur de 11%. Ça correspond aux dotations étatiques à hauteur de 70 000 euros, aux dotations CAF à hauteur de 800 000 euros et aux compensations fiscales attribuées à hauteur de 380 000 euros. En fait, donc les autres recettes, pour une augmentation de 47%, sont le fait de revenus des immeubles, 350 000 euros, le mécénat Festin de Pierre, 225 000 euros, et les remboursements de salaire, 220 000 euros. Ce qui concerne les dépenses, donc les charges à caractère général, donc l'évolution de la ville et des services, 11,9%, les dépenses de personnel, plus 5,5%, les reversements, plus 1%, donc avec l'attribution de compensation et la fameuse loi SRE sur le nombre de logements sociaux présents sur la commune, avec la pénalité qui en découle, et les participations, subventions, indemnités aux élus qui augmentent de 3%. En ce qui concerne les investissements, donc, le fonds de compensation de TVA se monte à 154 500 euros, la taxe d'aménagement à 200 000 euros, subvention 400 000 euros, emprunt 3 550 000 euros et l'autofinancement s'élève quant à lui à 1 191 280 euros. Donc c'est tous ces éléments-là constituent donc les recettes. Pour les dépenses, les grands projets sont évalués à hauteur de 4 440 000 euros. Les enveloppes de services à 650 000 euros, les subventions d'équipement versées à 287 000 euros et le capital de l'emprunt à 538 000 euros. Vous avez donc derrière un graphique qui vous présente l'évolution des dépenses d'équipement et qui sont représentatives de la volonté désormais de notre municipalité et de l'engagement de M. le maire d'équiper désormais correctement la commune, notamment en fonction de la population qu'elle va accueillir. Nous sommes déjà à 11 000 habitants. Et ce chiffre n'a pas fini de croître. Et bientôt à 13, donc du coup, il est grand temps que nous équipions la commune. Alors, nous allons réaliser une petite présentation des projets d'investissement 2022 portés donc au titre de cet exercice. Donc, seront financièrement et budgétairement mis en œuvre sur cet exercice, excusez-moi. Donc seront réalisés l'aménagement de 6 cours d'école, donc ce qu'on appelle en fait le projet cours Oasis. Donc les écoles élémentaires et maternelles de Louise Michel sont concernées. Sont concernées aussi l'école maternelle des Escoliers et l'école élémentaire des Escoliers. Et donc au titre du calendrier, donc en 2022, sont prévues une partie de la cour de l'école élémentaire Alain Cabrol, René Cassin maternelle, Louise Michel maternelle et la réalisation de tous les jardins pédagogiques. Sur l'exercice 2023 seront prévues la réalisation des escoliers élémentaires et maternels et sur 2024 seront prévues la partie restante de la cour Alain Cabrol et la section élémentaire Louise Michel. Le budget total concernant ce projet donc cour Oasis est de 1 800 000 euros et le crédit de paiement affecté au titre de l'exercice 2022 s'élève quant à lui à 615 000 euros. Est également prévu au titre de cet exercice la réhabilitation de l'école élémentaire des Escoliers, donc avec un planning prévisionnel opérationnel, donc avec une attribution de MGP. Alors par contre, je me souviens plus, excusez-moi. Voilà, le marché global de performance, merci, en décembre 2021. Ensuite, les optimisations des études techniques sur le premier semestre 2022, la réalisation des modules industrialisés au titre du deuxième trimestre 2022 et la mise en place des modules sur site prévus pour l'été 2022. Le budget total concernant ce projet s'élève à 1 521 000 euros et 1 420 000 euros seront portés sur cet exercice au titre des crédits de paiement.
est également prévue la création d'un pôle enfance-jeunesse avec un budget prévisionnel estimé à 1,7 million d'euros à revoir en fonction du programme final et avec des crédits de paiement à hauteur de 440 000 euros sur l'exercice 2022. Est prévu également la création d'un nouveau gymnase sur la ZAC de Roquefraisse. Donc la démarche et l'objectif du projet consistent en la création d'un nouvel équipement sportif dédié à la pratique de la gym. Une salle multi-activité complétera la programmation de cet équipement afin de répondre aux besoins de la commune grandissante. La conception de ce futur gymnase répondra aux critères vertueux, notamment en ce qui concerne l'environnement, toutes les normes environnementales. Pardon. Le site donc, sera situé le long du chemin des coteaux sur la rade de la ZAC de Roquefraisse et l'emprise foncière allouée au projet sera environ de 5 900 m2. À la lisière de la zone urbanisée et surplombant une zone verte, cet équipement, de par son architecture, permettra de faire le lien entre ces deux zones. Donc, le budget estimatif global s'élève à 4 millions d'euros et les crédits de paiement 2022 sont, quant à eux, d'un montant de 355 000 euros. Donc, il faut savoir qu'au titre du planning prévisionnel, les études de maîtrise d'ouvrage sont prévues entre 2022 et 2023 et la réalisation des travaux sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Est prévue également la création de nouveaux gymnases sur Roquefraisse. La création d'un cours de tennis, donc d'un montant de 1 551 500 euros, avec des crédits de paiement en 2022 pour un montant de 1 9 580 euros. Il sera développé aussi et porté le projet de la Maison de la Nature et la réhabilitation du parc du Terral, donc, qui fonctionne en binôme. Le budget total alloué à ce projet est de 800 000 euros et les crédits de paiement 2022 donc, s'élèveront à la somme de 370 000 euros. Enfin, donc, dernier projet porté, l'extension de la gendarmerie avec un budget estimé total de 478 000 euros et avec un montant de crédit de paiement sur l'exercice 2022 évalué à 43 000 euros. Donc, voilà, c'était pour l'intégralité des projets qui allaient être démarrés ou qui allaient se finaliser autour de l'exercice 2022. Concernant la dette, je vous présente donc des camemberts nous indiquant la répartition de l'encours de la dette et la répartition par prêteur. Donc pas de nouveauté par rapport à ce qui avait été présenté au titre de l'année dernière, si ce n'est que cette dernière baisse. Donc au 1er janvier, l'encours décline donc, pour s'élever en 2022 à un montant de 6 886 860 euros. Donc si tout va bien, donc avec la prévision de solde complet de cette dette se ferait en 2036. La capacité de désendettement augmente un petit peu, mais donc, pour le 21, ça correspond à une estimation à la date de rédaction du rapport. Et tout sera affiné en fonction des éléments contenus et lors de l'élaboration du compte administratif de 2021. Vous avez une évolution des épargnes, l'épargne aussi. Donc pour 2021, c'est une estimation à la date de rédaction du rapport, qui sera lui aussi estimation qui sera actualisée en fonction et affinée en fonction des éléments communiqués et connus par les services. Alors de manière synthétique, donc pour au titre du budget 2022, donc en matière de dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement, ces dernières sont arrêtées à la somme de 15 314 639 euros. Et en ce qui concerne les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, ces dernières s'élèvent à la somme de 6 222 049 euros pour un budget total approximatif à hauteur de 21 550 000 euros. J'ai fini pour la présentation du DOB. Je voulais simplement remercier les services, donc à la fois Madame Vallot, Madame Méliti et Monsieur Lalleux pour m'avoir épaulé pour la réalisation de ce document assez synthétique, mais qui se voulait quand même complet et exhaustif. Voilà. Merci beaucoup et un grand merci à l'ensemble des agents qui service par service, nous ont fait remonter les besoins de la collectivité. Plein de projets, mais vous les connaissez tous. Donc, la parole est à vous. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, oui, non, c'était simplement pour préciser qu'après, il fallait donc que je mette ce rapport en délibération. Mais s'il y a des questions, bien évidemment. Il y a des mains qui vont se lever. Monsieur de Beaujolais, allez-y, on vous écoute.
moi j'avais une interrogation sur l'augmentation des dépenses du personnel. Vous écrivez, enfin vous avez lu, après une forte augmentation des effectifs au cours de l'année 2019, les années 2020 et 2021 ont été marquées par une certaine stabilisation de ces derniers. Donc on le retrouve dans le petit tableau des effectifs. On voit qu'il y a eu donc 4 titulaires de plus de 2019 à 2021 dans les, donc des emplois permanents, et que le personnel non titulaire n'a pas bougé. Or, au niveau des dépenses, en 2019, on était à 7 millions d'euros. En 2020, 7 650 000 euros, donc plus 600 000 euros en fin d'année. En 2021, à 8 150 000 euros, donc plus 500 000 euros. Et en 2022, vous avez une prévision donc de plus 350 000 euros, c'est-à-dire 8 500 000 euros. Donc ma question est la suivante, qu'est-ce qui explique l'augmentation de plus de 6% des charges de personnel de 2020 à 2021 et une prévision de plus 5,5% de 2020 à 2022 ? Alors, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, bon, il faut déjà savoir qu'en 2019, la présentation n'était pas sincère, puisque une partie du recrutement de personnel qui avait été réalisé au titre de l'ouverture des différentes classes n'avait pas été comptabilisée. Donc, du coup, forcément, ça a eu un impact. Donc, oui, mais j'en ai tenu compte hein, dans les 6%. Hein, si on les avait oui, mais pas et donc, du 10%, coup. Donc là, avec, les, avec ce que votre correctif, c'était quand même 6% d'augmentation. Non, mais ça correspond à ça. Puis derrière, comme on vous l'explique, notre commune s'agrandit, s'accroît, et on a toutes ces dépenses de personnel, en fait, ne font que correspondre à des besoins, à des ouvertures de classes. Étant donné qu'il y a de plus en plus d'enfants, nous ne maîtrisons pas l'ouverture des classes. Par contre, une classe ouverte, c'est donc du personnel obligatoirement embauché, et donc qui incombe forcément à la collectivité. Donc tout cela fait qu'avec une croissance exponentielle telle que la commune connaît, nous avons des dépenses de fonctionnement et notamment de personnel à assumer, et ces dernières ne correspondent pour la plupart qu'à des besoins d'ouverture de classe ou vraiment des besoins vitaux. Parce que je rappelle quand même que nous avons quand même fait par rapport à la municipalité, il a fallu faire des recrutements sur le service informatique où il n'y avait quand même qu'un seul agent, par exemple, pour 250, un seul agent en informatique pour 250 agents. Donc vous imaginez bien qu'avec le passage en télétravail, tous les éléments, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc à ce moment-là, il faut que, à la fois à la mairie, on ait des capacités d'embaucher pour pouvoir faire en sorte de répondre aux besoins de la population, mais il faut que derrière, les agents soient en capacité de le faire, et donc qu'on les assiste techniquement avec des recrutements se nécessitant. Et ça, c'est un des exemples. Je ne vais pas tous les citer un par un, mais toutes les dépenses qui ont été faites, comme principal impact, l'évolution de l'augmentation de la population et la mise à niveau du nombre d'agents par rapport à des services qui étaient en souffrance. Voilà. On peut prendre l'exemple aussi de la police municipale qui va aussi s'agrandir. On recrute. L'idée, c'est d'avoir un agent de la police municipale pour 1000 habitants. Donc aujourd'hui, les chiffres annoncés par l'INSEE, la projection, ce serait 16 000 habitants pour 2026. Je pense qu'on sera plutôt sur du 2027. Donc l'idée, c'est que de toute manière, on est obligé de rencontrer en binôme, donc tous les deux ans, deux agents. Et sur les écoles, on parle des écoles, mais on va sortir des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à 45 classes d'ouvertes. Il y a de fortes chances qu'on ait deux, voire trois classes supplémentaires l'année prochaine. Se posera la question en fin d'année avec les directeurs d'école, où on met les enfants, comment on retravaille la carte scolaire et quelles salles de libre on a dans les écoles pour transformer nos salles ALP en classes. Donc il y aura aussi de l'achat de fournitures de bureaux. Mais plus vous avez de classes, plus vous avez d'animateurs dans les écoles. Et c'est ce qui n'avait pas été indiqué dans les deux derniers exercices avant que nous, on arrive à la mairie. Et donc, on avait eu un delta de 300 000 euros de tête, M. Piau, c'était ça, je crois, ouais, 300 000 qui manquaient dans le budget. Donc, on avait fait une modification à ce moment-là. Aujourd'hui, oui, les services à la population existent. Et quand vous aurez doublé la ville, on n'aura pas doublé les agents, mais en tout cas, il faudra consolider certains services publics, parce qu'on a tous besoin de services publics. On a bien vu aujourd'hui, avec le mouvement de grève au niveau national, des animateurs dans les écoles. Pas de garderie ce matin, pas de cantine ce midi, pas de garderie ce soir. Voilà, le service public existe. Et oui, pour que le service public tourne et qu'il soit bon pour tout le monde,
ça passe par du recrutement. Et il y a aussi l'évolution des salaires de la fonction publique. Et tout ça, c'est pris en compte dans les projections qu'on vous présente ce soir. Oui, enfin, j'entends bien, mais c'était juste parce que je trouvais qu'il y avait une certaine contradiction entre ce qui était noté avec des forts recrutements en 2019 et des années 2020-2021 marquées par une certaine stabilisation et ce qui se traduit dans les chiffres que vous donnez au niveau du personnel. C'était ce que je trouvais assez contradictoire d'avoir cette forte augmentation qui n'apparaît pas dans l'augmentation du personnel, titulaire ou non titulaire. Voilà, après, sont intégrés aussi le remplacement, les prévisions budgétaires au niveau des opérations de recensement, et c'est aussi l'organisation des quatre tours. Donc, il y a quand même aussi des données qui font que derrière, il y a l'augmentation sur laquelle on ne peut pas interagir. Hein, donc, ça nous est imposé. Donc, pour nous, ce sont des mécaniquement, nous sommes contraints de répondre à, et donc de prévoir en conséquence cette augmentation-là au titre du budget et des sommes allouées. Monsieur Robert. Oui, merci. Oui, nous avons fait une analyse donc de ces chiffres et de leur projection. Donc, on va plutôt parler de la projection sur les années 2022, 2023, 2024 jusqu'à 2025, donc sur cette période. Petit focus, donc on a bien compris. Donc, je remercie M. Lallet qui nous a donné quantité de précision sur les chiffres et donc les détails qui nous manquaient un peu. Donc j'ai essayé de faire une petite synthèse de nos analyses simples. Et puis après, je vous poserai deux questions majeures, à mon avis. Donc on a bien compris les investissements des grands projets. Certes, une ambition forte, nécessaire sûrement, pour donc équiper notre ville en équipement et aménagement public. Et donc ces investissements grands projets sur les 4 ans qui viennent là, se montent à peu près, enfin je vais arrondir, 11 900 000, soit 12 millions. Retenons le chiffre de 12 millions, l'année 2021 étant assez modeste en termes d'investissement. Ces investissements grands projets vont aussi se compléter forcément par des dépenses d'équipement en dehors des grands projets, puisque de toute façon, ou de la voirie, quelques équipements, on va dire, complémentaires. Donc, nous avons estimé qu'il y aura à peu près une quinzaine de millions d'investissements jusqu'à la fin de la mandature, quasiment. En regard de ça, il y a deux, trois éléments à prendre en compte. Les subventions accordées, puisque bon, c'est normal, vous allez chercher des subventions. Aujourd'hui, celles qui sont accordées sont de 600 000 euros et vous espérez 1 800 000 euros de plus. Donc ça nous laisse, enfin je vais faire court, 13 millions à financer. Le recours à l'emprunt, donc j'ai bien compris, le recours à l'emprunt est astucieux parce qu'il est morcelé, donc année par année, avec des taux qui aujourd'hui sont très bas. Donc pour l'année 2022, c'est 3,5 millions, mais nous estimons que sur l'ensemble, pour aller arriver au bout de tous ces grands projets, il sera autour de 9 millions, c'est-à-dire 70% des sommes à engager. Soit, et c'est pour ça que j'ai fait ce préambule, une dette à la sortie qui va passer de 7 millions en début de 2022, à autour de 16 millions possibles en 2025, soit 1 300 euros par habitant. Moi, je suis parti sur 12 000 habitants. On aura bientôt les statistiques précises, enfin le recensement précis. Donc en fait, par rapport à cette dette estimée et cette projection de dette, il y a quand même quelques risques par rapport au contexte que vous avez donné qui paraît très favorable. Il y a effectivement une augmentation des salaires de 5 % par an. Je passe sur l'année 2019, 2020, 2021, et des recettes qui stagnent, qui restent de 2%. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup d'excédents budgétaires sur la partie fonctionnement. Les budgets prévisionnels donc des grands projets sont à la hausse, peuvent être à la hausse à cause de l'inflation. On sait qu'en ce moment, il y a une forte inflation. Bon, ce n'est pas 1,5% sur les parties travaux et autres, c'est beaucoup plus. D'autant que, pour le moment, on n'est que sur des études et des projets. Donc, on attend quand même les véritables chiffrages à l'issue de ces études, et notamment après les appels d'offres. Il peut donc y avoir des dépassements d'enveloppe à la fin des réalisations. Ça, c'est la partie risque, si vous voulez. L'équilibre budgétaire, puisqu'il y a aussi la fameuse partie, la fin de la ZAC a terminé, avec les halles védasiennes. L'équilibre budgétaire de la ZAC, il n'est pas encore totalement connu. Enfin, on sait qu'on est en excédent. On est en excédent, mais on ne sait pas comment on va se retrouver en fin d'exercice. Et quant aux taux d'intérêt qui sont aujourd'hui très bas, personne ne sait si dans 2-3 ans, ils seront toujours aussi bas. Donc ma question, compte tenu de ce contexte qui peut être défavorable, c'est quel plafond
de dette estimez-vous admissible pour Saint-Jean ? Bon, là, moi, j'ai fait un calcul de 1300 euros par habitant. La moyenne française, c'est 800 euros. Est-ce que vous vous donnez un horizon maxi pour cette dette par habitant ? Et en cas de dérapage, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, quels moyens avez-vous ou aurions-nous pour maîtriser la gestion et quels projets pourraient être ralentis ou autres solutions pour maîtriser cette dette ? On vit sur une très belle commune, mais qui est... Éteignez-le. Ouais, voilà. Une très belle commune qui s'agrandit, pour moi, je pense, beaucoup trop vite, parce qu'il y a eu un vrai retard, mais ça, c'est, voilà, c'est le passé, et puis le passé, on le laisse au passé, et maintenant, je regarde l'avenir. La situation économique, d'un point de vue, on va dire, au niveau mondial, on cherche tous une relance économique. Et la relance économique, aujourd'hui, elle passe par des investissements. La chance d'une collectivité territoriale, c'est que on connaît le budget de l'année prochaine. On sait qu'on est dans une ville où on aura toujours les mêmes impôts, même un petit peu plus tous les ans. Contrairement à des entreprises qui aujourd'hui ferment, où la situation économique est compliquée, même s'il y a une reprise de l'économie au niveau mondial, aujourd'hui, comme l'annonçait le Premier ministre il n'y a pas si longtemps que ça, il faut que l'État et les collectivités territoriales fassent travailler les entreprises et qu'on investisse. Et on n'est plus dans les années 80-90 où on avait des taux d'intérêt qui étaient très élevés. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt pour les collectivités qui sont à moins de 1 point. C'est quasiment de l'argent gratuit. Empruntons, faisons travailler les entreprises et en plus de ça, on équipe la ville. C'est-à-dire on remplit toutes les bonnes cases. Alors, je vous rassure, j'aime beaucoup trop Saint-Jean-Védas pour endetter la ville et qu'on soit mis sous tutelle et qu'on soit géré par l'État. Vous doutez bien que on fait attention. Mais vous dites, les taux risquent peut-être de changer dans 2-3 ans. Mais dans 2-3 ans, on aura déjà lancé quasiment tous les programmes. Donc, on aura récupéré déjà, on aura déjà des taux fixes. On ne va pas prendre des taux variables dans les finances publiques. Oui, on finance chaque année. Mais je veux dire, quand vous allez à la banque aujourd'hui, on a un fonds de roulement qui est beaucoup mieux que ce qu'on a connu à l'époque. On est à 1,2 million alors qu'on avait 200 000 euros. Aujourd'hui, le 1,2 million permet d'être une garantie auprès des banques pour avoir des taux inférieurs à 1. Mais j'en profite. C'est quasiment de l'argent gratuit. Et en plus de ça, j'équipe ma ville. Et les nouveaux arrivants se disent « Ah ben, on est bien accueillis parce que je peux quand même aller faire du sport, avoir des activités culturelles. » Voilà, c'est ça. Et c'est d'équiper la ville. On a quasiment de l'argent gratuit. Donc moi, oui, j'équipe. Le micro, mettez le micro que... Le micro. Voilà, la question quand même, c'était de savoir si vous vous fixez un peu un horizon de dette par habitant, parce que ça parle. Et en cas de, on va dire, de dérapage ou de... Comment vous pouvez ralentir un peu la cadence ? Que vous soyez dans une volonté d'entreprendre, c'est normal, ou d'améliorer. Mais quel moyen de maîtrise quel horizon de dette ? C'est ça c'est ça ma question, en fait. C'est la capacité de désendettement. Aujourd'hui, le seuil d'alerte où vous commencez à avoir des voyants, pas rouge mais orange au niveau de la préfecture, c'est quand vous avez un endettement qui a 12 ans. Aujourd'hui, on a un endettement de tel, je crois qu'on doit être à 4,2 années. C'est ça. Aujourd'hui, la projection, on est plutôt sur un endettement inférieur à 10 ou presque 10. C'est justement le fait d'avoir des taux très bas aujourd'hui. Mais toutes les études ne sont pas encore lancées. Donc il y a des projets, on a une enveloppe globale qui nous dise ça va nous coûter entre 1,4 million et 1,7 million. Mais si on n'a pas de subvention, mais moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'argent auprès des autres collectivités et auprès de l'État. Et on y arrive. Ça avance. Donc plus on va récupérer des aides, des subventions, moins on aura recours à l'emprunt. Monsieur Piot.
Juste pour dire quand même que vous avez été un peu chiche au niveau des subventions, parce que bon, rien que déjà sur le projet Oasis, Co-Oasis, on est déjà quasiment sûr d'obtenir une notification de subvention à hauteur de 1 million d'euros. Donc vous voyez, vous avez, sur votre calcul, vous êtes parti sur 1,8 million sur l'intégralité des programmes. Rien que sur ce projet-là, on est quand même assuré d'avoir au moins entre 60 et 70% de son coût assumé par une subvention. La difficulté sur l'exercice que vous nous demandez de faire, c'est qu'en fait, vous vous projetez sur des éléments qui ne sont pas quantifiables, si on tient compte de l'évolution et du nombre de logements qui risquent d'arriver jusqu'en 2025, on tablerait plutôt déjà sur une population de 15 000 habitants. Donc déjà, on n'a pas le même postulat, on n'a pas le même montant de notation de subvention. L'exercice qui a été réalisé au titre de cet exercice 2022 et donc la déclinaison qui vous en a été présentée se base sur des éléments concrets avec un chiffrage qui s'opère à ce jour-là. Après, bien évidemment, qu'en fonction de l'évolution, nous devrons nous adjuster. Effectivement, on va avoir recours à l'emprunt, mais ça ne sera pas la seule piste que nous actionnerons dans ce cadre-là. Simplement, il faut effectivement que, comme je vous le précisais de façon liminaire en présentation, il y a des éléments fiscaux qui nous manquent, il y a des pistes, il y a des leviers à actionner. Il faut simplement qu'on vérifie et qu'on se donne les moyens, notamment dans certaines commissions, de voir effectivement la faisabilité et donc d'améliorer notre dynamisme fiscal à ce niveau-là. Ce qui est une certitude, c'est à peu près les enveloppes des projets. C'est quand même conséquent. Donc après, tout le reste, évidemment, ce sont des hypothèses à conforter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un risque financier. Je ne dis pas qu'il est... Il faut pas prendre de risque. Mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu de quelques éléments de contrôle au cas où il y aurait des éléments, que ne serait-ce que les subventions ou les taux d'intérêt. Rien qu'en subvention, en notification, on est déjà à 1,6 million euros à ce jour. Oui, peut-être, mais bon, si vous cumulez tout, les projets ne sont pas encore sortis, donc nous n'avons pas adressé l'intégralité de nos demandes de subvention. La CAF participera sur la Maison de la Jeunesse. Il y a plein de moyens, effectivement. Nous travaillons avec M. Lalleux sur le principe de présenter des projets en vue d'obtenir des subventions. Nous avons effectivement un gros travail à réaliser à ce niveau-là, en collaboration avec le pôle financier de la commune. Nous savons que c'est des moyens, des leviers importants de pouvoir financer les projets. Et nous ferons tout, effectivement, pour de rendre les projets éligibles et travailler dans ce sens-là. Monsieur le maire, merci. Bon. On voit la multitude de projets qui se profilent dans les années qui viennent. Notre inquiétude, en fait, c'est que tous ces projets, aujourd'hui... Comme l'a dit tout à l'heure votre adjoint, c'est quand même un budget primitif. Donc il y a un ensemble de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et nous sommes tous conscients qu'économiquement parlant, on va sur une période inflationniste. Et notamment quand on fait des travaux, on a des augmentations de budget qui sont liées à des révisions, à des actualisations de prix qu'on ne maîtrise pas dans le contexte actuel. C'est les marchés qui mettront les choses en présence. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions, dans l'intérêt général de la collectivité, faire un point à 6 mois pour les années qui viennent, de façon à ne pas se retrouver au bout de votre mandature avec un équilibrage de budget qui ne se fasse que par le réajustement d'un emprunt pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que moi, je fais confiance à votre gestion. On a vu que vous présentiez des projets. Eh bien, menez-les à bout. Sauf que faites des points d'étape, s'il vous plaît, dans la conjoncture où nous sommes, de façon à ce que ce soit vous qui repreniez la municipalité après, aux prochaines élections, ou que ce soit une autre équipe, dans tous les cas de figure, essayez de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire de laisser une collectivité... avec une situation financière importante. Je ne le dis pas d'une façon négative, je le dis pour le faire d'une façon un peu plus sécuritaire. Voilà ma réflexion. Merci. Moi, simplement pour vous répondre, M. Fourmier, alors j'entends bien que vous avez laissé effectivement une situation financière qui est celle qu'elle est. Hein. Moi, par contre, la commune a quand même va doubler sa population. Donc si ces travaux d'équipement ne sont pas réalisés, au plus tard on les réalisera,
plus cher ça nous coûtera. Donc à un moment donné, si on ne prend pas le taureau par les cornes et qu'on ne fait pas évoluer la commune de Saint-Jean-de-Védas sur la capacité de population qu'elle va bientôt atteindre, on va se retrouver avec de grandes difficultés. Et derrière, c'est les citoyens qui en pâtiront. Il faut à un moment donné engager des projets. Nous engageons des projets pour structurer, pour équiper la commune. Nous faisons en sorte effectivement de le faire dans un cadre rationnel et vraiment financièrement sain. Nous allons travailler sur les bases fiscales, nous allons travailler sur le recours aux subventions, nous allons travailler sur les emprunts aussi avec nos partenaires bancaires. Nous allons faire en sorte de porter le plus loin possible ces projets, parce que si nous ne le faisons pas, nous paierons l'addition à terme. C'est-à-dire que la commune ne pourra plus derrière rendre les services qu'elle se doit à ses concitoyens. Donc à un moment donné, il faut quand même engager des sommes. Et je pense que notre élection est aussi portée par cette volonté de faire en sorte que désormais les Védasiens et les équipements qu'ils méritent. Et une petite info que je viens d'avoir, parce qu'on a eu l'info il y a très peu de temps, pour les écoliers, on a obtenu un prêt à taux zéro. Bien, taux zéro, quoi. Donc on peut se féliciter, mais pour revenir sur le budget, là, on présente le robe pour le budget 2022, mais on a préparé déjà jusqu'en 2026. On sait à quelle date on va lancer les études, les travaux, les APCP, à quel moment on aura la livraison, combien ça va nous coûter. On prévoit toujours 15% supplémentaires en se disant s'il y a des problèmes, des réserves ou autres, on sait qu'on a une capacité derrière de pouvoir y répondre. Donc oui, on a travaillé sur les 5 prochaines années les grands projets. Oui, vas-y. Moi, c'est pour ça qu'effectivement, donc, dans le cadre effectivement, des budgets portés, on travaille en APCP, en autorisation de programme crédit paiement, pour justement morceler et cadencer effectivement la faisabilité des projets, pour que déjà vous ayez un point d'étape régulier sur la réalisation, et que derrière, on soit en capacité de vous dire le coût que porté par la commune au titre de ces projets. Donc, c'est une façon de fonctionner qui vous permet d'avoir, vous, une lisibilité, un calendrier sur la réalisation des projets, et derrière, le coût estimé sur chaque exercice. Madame Isona, allez-y. Ah, c'est bon, excusez-moi. Juste deux questions et une remarque. Une première question, est-ce qu'on peut avoir le montant des pénalités dues au titre de la carence en logements sociaux ? Au 1er janvier 2021, on était à 204 000 euros de pénalités. On était à 12,89% de logements sociaux sur la commune. Et la note que j'ai reçue de la préfecture la semaine dernière, on est à 739 logements sociaux, ce qui représente 14,5% des 25% définis par l'article 55 de la loi SRU. Et donc les 204 000 euros, plus on va se rapprocher des 25%, plus cette somme va se réduire. Merci. J'avais une autre question sur la taxe d'aménagement. L'année dernière, le montant des recettes était de 190 000 euros, enfin de cette taxe. Je m'étais un petit peu étonnée parce que le montant n'avait jamais été aussi important. Monsieur Lalleux nous avait expliqué que c'était dû aux constructions. Et cette année, encore 200 000 euros. Enfin, dans les années précédentes, ça n'a jamais été si important. Il y a eu un changement dans le calcul de cette taxe. Qu'est-ce qui peut expliquer Vous avez la clinique qui est arrivée. La clinique, principalement. Et dernière chose qui est plutôt une remarque. Donc là, vous prévoyez, vous budgétez la construction du projet d'une halle gymnique. Le budget est à 4 millions d'euros. Moi, si je reprends votre programme, c'était coût estimé 2,5 millions d'euros. Et vous aviez effectivement annulé la construction de la gymnique qui avait déjà coûté 400 000 euros d'études à la collectivité. Donc je m'inquiète un peu en me disant que la gymnique, finalement, 4 millions d'euros au même endroit sur 5 900 m2. Et une salle des fêtes qui sera construite de toute façon va arriver au même montant que la double construction qui était prévue sur un seul endroit plutôt que deux emprises terrestres. On va avoir la même chose.
Oui, mais au niveau du coût, on aura peut-être la même chose. Mais par exemple, si demain vous décidez de vous marier et faire la fête à la salle des Granges, vous avez un arrêté préfectoral qui vous interdira de mettre la musique après 23 heures. Et donc, on était confronté à la même problématique sur la vague de Roquefraïs. C'est pour ça que je ne trouvais pas ça intéressant d'avoir une salle des fêtes qui pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes et qui était finalement pas utilisable le soir et le week-end sans pouvoir faire du bruit. Parce que souvent, les gens qui demandent une grande salle, c'est pour leur mariage, le baptême. Et les gens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des domaines privés, loin dans la garrigue, justement, pour pouvoir faire la fête. Mais sur l'histoire du gymnase, ce qui vient rajouter aussi un prix supérieur, c'est que déjà, il y a eu une grosse augmentation des matières premières. Mais c'est qu'aussi, avec l'emprise foncière, on a la possibilité aujourd'hui de rajouter une salle de 150 mètres carrés, mais multijeux pour les enfants. Le but de notre équipe, c'est que chaque enfant dans chaque groupe scolaire ne soit plus obligé de prendre un bus pour aller faire du sport. Et si on avait laissé que la gym, les enfants de Jordan-Messon n'auraient pas pu aller à ce gymnase-là, parce que la gym, c'est du matériel spécifique, il faut en prendre soin. Et donc c'est pour ça qu'on rajoute une salle de 150 mètres carrés pour que nos enfants à pied puissent aller faire du sport. Et on requalifiera le gymnase de la Combe en terrain multijeu. Voilà. Une autre intervention? Oui, allez-y. Oui, moi je vous rejoins sur le M. Piau, notamment sur le besoin d'équiper et de suivre le rythme. Effectivement, il y a un gros danger à ne pas équiper, à prendre du retard par rapport à ça. Et derrière, c'est autant d'ailleurs de coûts supplémentaires qu'il y aura si on ne suit pas en équipement structurant l'ensemble de la commune par rapport à la croissance de la commune. Comme aussi, je vous rejoins sur la notion et sur les besoins de services publics dont on parlait tout à l'heure. Du coup, là, après avoir abordé des quelques questions macro, pour le coup, je vais aller sur peut-être des quelques points qui sont peut-être du détail au regard de la hauteur du budget global de la ville. Mais vous équilibrez le financement du Festival des Arts de la Rue entre une dépense de 225 000 euros et une recette liée à du mécénat de 225 000 euros. Je peux me tromper dans les chiffres parce que là, je fais vraiment ça de mémoire. On n'était pas sur 170 000 précédemment. Et ensuite, pour le coup, derrière, comment pérenniser un festival et garantir son indépendance aussi lorsqu'il est uniquement adossé à de l'argent privé? Ça reste aussi quelque chose qui est une préoccupation. Ensuite, deuxième point, vous remettez 30 000 euros sur la subvention vélo. Alors j'imagine que ça a été voté aussi ce matin à la métropole. Non, peut-être vous pourrez nous en parler. Puisque dans le rapport ici, il est précisé que ça doit être adossé aussi à ce suivi côté métropole. L'an dernier, on est arrivé en cours de budget, en cours d'année. Est-ce qu'il n'était pas intéressant tout de suite de passer à 50 000 et puis ensuite, ne pensez-vous pas que le projet Maison de la Nature et Terral à 800 000 euros est sous-estimé? Voilà. Alors sur le terrain, on va le faire dans ce sens si vous voulez. 800 000 euros, non, aujourd'hui, il y avait aussi une proposition d'aménagement qui aurait pu aussi faire un bâtiment au fond du parc pour faire la maison de la nature. Moi, je ne veux pas qu'on touche au parc, il est très bien comme ça, on peut y faire la fête des associations en septembre, ça se passe très bien, on peut y mettre des plateaux sportifs, voilà, le bas, on ne le touche pas. On va réhabiliter. Il y a des salles qui sont vides chez du Terral. Quand vous allez à certains étages, elles ne sont pas du tout équipées. Et donc l'idée, c'est comment on travaille avec l'école d'art plastique de musique. On a une très belle école de musique avec plus de 250 élèves. L'idée, ce n'est pas d'avoir moins d'élèves. L'idée, c'est de continuer à avoir un rayonnement à l'échelle de la métropole, même départementale, avec notre école. Donc il va y avoir un jeu de tiroirs. Il y a des gens qui vont, par exemple, les écoles de musique, vous voyez, il y en a qui sont en bas, complètement à droite de la salle des mariages, il y en a qui sont à l'étage. Donc on est en train de travailler tout ça. Mais dans les 800 000 euros, vous avez aussi l'aménagement du parc pour que les personnes PMR, donc PMR, c'est les personnes qui sont en fauteuil, qui ont un handicap, des parents qui ont une poussette, voilà, c'est considéré PMR. Et qu'on puisse accéder dans ce parc qu'on veut,
qu'on veut accueillant, qu'on veut pouvoir faire venir nos écoles. Parce que sur la commune, nous avons l'écolothèque, mais l'écolothèque est une gestion métropolitaine. Et donc, c'est l'ensemble des enfants de la métropole qui viennent à l'écolothèque. Et donc, finalement, les enfants védasiens n'ont la possibilité d'aller qu'une fois par an à l'écolothèque. Et de faire la maison de la nature au Terral, c'est aussi les faire venir plus souvent et intégrer les associations environnementales, la municipalité, les écoles, nos aînés avec la maison de retraite aussi à côté, ça peut être du lien pour eux. Donc 800 000 euros aujourd'hui, c'est le coût estimé pour cet aménagement-là. Sur la subvention vélo, alors là, il y a quand même eu un couac, mais ça, c'est fait à l'ensemble de la métropole, c'est qu'il y a des gens qui ont bénéficié de plusieurs subventions alors que ce n'était pas le cas. Donc là, on met une enveloppe à 30 000 et les services de la ville et les services de la métropole sont en train de regarder comment on fait en sorte que les gens ne cumulent pas non plus toutes les subventions possibles et imaginables. Donc ce matin, on a voté à la métropole la subvention qui est prolongée jusqu'au 30 juin 2022 pour les vélos électriques. Voilà, pour répondre à la question. Et sur Festin de Pierre, l'idée, c'est la collectivité met le même montant que ce qu'on obtient des mécènes. On a fait un très, très gros travail. Donc, cette année, on n'a pas fini encore. Il nous reste quelques rendez-vous. On est à 225 000 euros de mécènes. Oui. Vas-y, vas-y. Donc, Monsieur Lalleux m'a gentiment transmis, effectivement, au titre de Festin de Pierre, la situation de 2019. Alors, effectivement, il y avait bien 170 000 euros en prévisionnel. Sauf qu'en réalisation, on a été arrivé à 195 000 euros, et ceci n'incluant pas les charges de personnel. Donc du coup, derrière, on a été obligé d'actualiser la situation, et donc le festival a coûté beaucoup plus cher que prévu. Mais, monsieur le maire, je ne comprends pas, vous dites, la collectivité met autant qu'elle ne reçoit, donc il y a 225 000 euros de financement privé sur ce festival, la collectivité met 225 000 euros ? C'est ce que vous venez de dire, hein ? 225 000 euros. 225 000. Oui, aujourd'hui, on met 225 000, mais on a obtenu 225 000 aussi de... C'est ça, dans le budget. Dans en tout, 225 000 euros de dépenses, 225 000 euros de recettes. 225 000 euros de dépenses, 225 000 euros de recettes. Oui, c'est moi qui me suis trompé dans le... Qui proviennent donc du mécénat, mais la collectivité ne met pas 225 000 euros, là où le mécénat privé abonde à 225 000 euros. Le budget du festival n'est pas de... De 500 000, de 500 000 euros. Non, non. Voilà. C'est une erreur de ma part. Mais c'est parce que on n'a pas le chiffre encore total, parce que comme on va faire les petits festins à partir du printemps, on y intégrera après toutes les charges de personnel, tout le matériel nécessaire pour faire ce type de manifestation ponctuelle les samedi après-midi. Pardon. C'est bon pour vous ? Quelqu'un d'autre ? Non ? Allez-y. C'est juste pour rebondir sur la subvention vélo, c'est comment permettre aux gens de pouvoir anticiper s'ils vont avoir éventuellement quand l'enveloppe sera épuisée, parce que l'année dernière, le 28 juin, vous avez annoncé qu'il ne restait plus que 10 000 euros et en fait, moi, j'ai acheté un vélo le 1er juillet, donc j'ai reçu le courrier que ce n'était plus possible, donc c'était 3 jours plus tard. Donc, le 28 juin, j'avais annoncé que ça prenait fin dès maintenant, qu'on n'avait plus d'enveloppe. Et vous m'avez écrit 3 jours après, je m'en souviens très bien. Non, après, pour moi, oui, peu importe pour moi, hein, c'était pas le souci, c'est pas le souci directement, mais dans la délibération, effectivement, il était annoncé qu'il restait un bon temps et pas qu'elle était déjà épuisée. Donc, ça, c'est pas pour mon propre remboursement, c'est comment les Védasiens peuvent avoir un certain suivi, ou parce que quand ils achètent le vélo et qu'ils pensent qu'ils vont avoir une subvention. Enfin, ils ne sont pas toujours en train de regarder où le conseil. Et là, en l'occurrence, ça ne permettait pas de savoir. C'est pour cette prévisibilité, parce que ça reste important. C'est un achat qui a un certain coût, un vélo électrique. Mais le vélo électrique, il faut passer par la métropole. Vous obtenez 500 euros. Oui, non, mais là, on parle de notre collectivité. Oui, mais le but, c'est on est en train de regarder service par service. Qui prend quoi en charge, justement, pour avoir une enveloppe de 30 000 euros, mais qui puisse durer sur l'année de l'exercice et pas être utilisé en 2 mois et demi ou 3 mois comme ça a été le cas l'an dernier. Rappelez-vous, on a voté le budget au printemps et le 28 et fin juin, c'était fini. Ce que vous regardez, c'est sur le fait qu'il n'y ait donc plus de cumul possible, on est d'accord, c'est ça, entre l'aide de la métropole
et l'aide accordée par la ville de Saint-Jean-de-Védas, ce qui était le cas jusqu'à présent. C'est ça, oui. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde puisse avoir une subvention. Celui qui ne veut pas acheter un vélo électrique, il passe par la ville de Saint-Jean, il obtient 200 euros, admettons. Celui qui achète un vélo électrique, il aura 500 euros. Aujourd'hui, la règle, elle était comme elle était, mais il y a des gens qui sont passés au travers, qui ont obtenu finalement des subventions de plusieurs collectivités, alors qu'au niveau de la métropole, ils ne pouvaient obtenir normalement que celle de la métropole. La métropole ne donne que si les autres ne donnent pas. Non, moi, ce qui me posait problème, c'est l'anticipation pour le citoyen. Simplement de pas savoir quand l'enveloppe, considérant la métropole, on fait la demande. Enfin, je ne sais pas comment ils ont pu faire, s'ils rééquilibrent en fonction des demandes, même si c'est plus long. Mais que là, le citoyen soit confronté à un achat sans savoir si à partir de juillet ou sans pouvoir jauger, en fait, si ça va pouvoir lui être attribué parce que l'enveloppe va être épuisée. Des questions... ont été posées là-dessus, sur est-ce que ce sera rétroactif ou pas, parce que des gens, plusieurs personnes se sont trouvées dans ce cas, en fait, d'avoir fait la demande et puis l'enveloppe était épuisée. Donc c'est au niveau de la prévisibilité, de l'anticipation. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure et je vous ai répondu, mais donc on est en train de travailler service avec service, justement, pour, au moment du vote du budget, que ce soit clair pour tout le monde. On est bon ? Quelqu'un d'autre ? Non ? Donc, le rapport d'orientation budgétaire, il y a un vote, mais on ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire. On vote, on prend acte. Voilà. Qui ne prend pas part au vote ? S'abstient. Qui vote contre ? Donc, votez contre le fait qu'on ait pris acte du... vous abstenez, d'accord. Et adopté pour le reste. Oui. On va, M. le maire. Vous dites qu'il n'y a pas de vote et en fait, vous faites voter. Je comprends acte, pas. Parce qu'on prend acte comme quoi la collectivité... Il n'y a pas de vote. Ben si, il y a un vote. Mais non, vous actez que le rapport a été présenté, mais il n'y a pas de vote. Et si. Si, il y a une délibération. Si. C'est pas qu'on est pour ou contre l'Europe. On prend acte, oui ou non, comme quoi vous avez bien eu la présentation du ROB. On ne vote pas l'Europe, on vote sur le fait que l'Europe a été présentée. Alors, puisqu'il a été présenté... Donc on prend acte. On prend acte, mais de fait... Comment oui, s'abstenir sur quelque chose qui a été présenté vous demandez au législateur de vous expliquer pourquoi il faut voter. Puisqu'on est présent, on est déclaré présent. Oui, mais par exemple, vous pourrez me dire, mais je suis désolé, mais la présentation, elle n'est pas du tout bonne, elle n'est pas conforme, elle est faite en 2 minutes, il y a une diapo, c'est pas clair pour nous. Donc là, vous pouvez dire, je ne prends pas acte parce que justement, le truc n'est pas bon. C'est mais là, si vos services bossaient mal, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, mais pour le coup... Il y a bien une présentation, on prend acte, bien sûr. On prend acte, mais pour prendre acte, on le soumet au vote. C'est la loi NOTRe qui est venue changer ça. La loi NOTRe. On vous enverra l'article, si vous souhaitez. L'article 107, me dit Jean-Paul Piau. Question suivante, autorisation d'aménagement des dépenses d'investissement préalable au vote du budget 2022. Monsieur Piau, je vous laisse la parole. Oui, donc cette délibération concerne les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget 2022. Donc, étant donné que la commune a une vie aussi et que malheureusement le calendrier budgétaire ne permet pas des fois à ce que le budget soit adopté à l'occasion de la survenance d'un nouvel exercice. Et donc, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales qui le prévoit, donc il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'ouverture anticipée de crédits d'investissement, ceci afin de pouvoir engager, liquider et mandater certaines dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des services municipaux, et ce, donc, comme je vous le précisais, avant le vote du budget primitif qui aura lieu le 27 janvier 2022. Donc, normalement, vous devez avoir derrière moi un tableau projeté qui vous détaille les chapitres visés par cette autorisation. Donc les chapitres sont concernés, les chapitres 20, 204, 21 et 23. Donc 20, immobilisation incorporelle, donc avec une limite autorisée à 50 000 euros. Subvention d'équipement versée à hauteur de 30 000 euros. Immobilisation corporelle, 50 000 euros. Et immobilisation en cours, 100 000 euros. Soit un total de 230 000 euros. Donc si vous n'avez pas de questions, je laisse Monsieur le maire mettre aux voix. Quelqu'un souhaite prendre la parole ? Donc sur la question d'avant, le débat d'orientation budgétaire doit faire la
l'objet d'une délibération spécifique qui prend acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport. Il s'agit d'une délibération de droit commun qui doit indiquer le vote, être publié ou affiché et transmis aux représentants de l'État dans le département pour être exécutoire. Voilà. Hop. Merci, monsieur Lalleux. Donc, je soumets la question au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? D'accord. Adopté pour le reste. Merci. Question 12. Soutien à un projet sportif. Délibération qui devait être présentée par monsieur Yvain. Donc, je le remplace. Donc, Louis Gallet, jeune Védasien de 19 ans, un sportif de haut niveau de VTT de descente, participe à de nombreuses compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales. Et donc, il participe donc au rayonnement de notre belle ville. Donc, la proposition, c'est de lui accorder une subvention de 500 euros. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci pour lui. Administration générale, les ouvertures du dimanche. Monsieur Piau, je vous laisse la parole. Oui, donc cette délibération a trait aux ouvertures dominicales 2022 des commerces de détail. Donc comme le Code du travail le permet depuis 2016, donc l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail peut se réaliser dans la limite de 12 dimanches par an. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal et avis préalable du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc à la demande de plusieurs commerces de détail présents sur le territoire communal, et après consultation des organisations syndicales, le projet de liste des dimanches a été arrêté par secteur d'activité au titre de l'année 2022. Donc le détail vous est présenté derrière moi. Donc le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a émis un avis favorable de son côté concernant cette liste lors de sa séance du 23 novembre 2021. Donc, pour rappel, certains types de commerces, notamment les magasins d'ameublement, de jardinerie et les magasins de bricolage, disposent déjà d'une dérogation à l'obligation de repos du dimanche. Donc, sur ces bases, je laisse la parole à monsieur le maire pour soumettre au vote. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Madame Isona. Oui, je constate que vous avez rajouté donc un dimanche supplémentaire d'autorisation pour l'alimentation, les commerces d'alimentation, équipement, la personne, culture, loisirs par rapport à l'année dernière. Alors que l'année dernière, effectivement, ils avaient dû fermer un grand nombre de temps à cause des confinements. Est-ce que juste vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes revenu sur cette décision puisque... Mais je suis à 5 hein, comme l'an dernier. Non, moi, l'année dernière, là, j'ai la délibre, c'était 4 sur les... 4 parce que peut-être qu'ils n'avaient pas fait la demande de tous les dimanches. Parce que selon comment tombent les vacances scolaires de Noël, soit vous retrouvez à fêter Noël au tout début des vacances, et ensuite vous vous retrouvez avec plus de vacances sur l'année après le 31 décembre. Et il y a des années où c'est plutôt... Et donc le nombre de dimanches, des fois, les demandes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça. Mais nous, à Saint-Jean, on est comme l'an dernier, on reste sur 5. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Donc, je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Un contre adopté pour le reste. Merci beaucoup. Convention de la fourrière automobile. Monsieur Plotin, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération vise à renouveler la convention de fourrière automobile, dont la gestion constitue une activité de service public. La municipalité a signé une convention en date du 1er janvier 2019 avec le garage Citroën Autopain, dont le siège social se trouve à Saint-Jean-de-Védas, pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Cette convention se terminant au 1er janvier 2022, la municipalité souhaite la renouveler à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d'un an renouvelable, expressément deux fois pour une durée d'un an. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Je soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Aménagement du territoire. Question suivante, donc la 15. Je laisse donc la parole à monsieur Vandelsel. Merci, monsieur. C'est bon.
Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la prise en considération d'un projet d'aménagement et l'instauration d'un périmètre d'études sur les terrains affectés à ce projet. Donc, la quatrième modification du PLU de Saint-Jean-des-Dats a été approuvée lors de la délibération du Conseil métropolitain du 27 septembre 2017, actant de la création d'un PAPAG. Donc, il s'agit d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global. Dans ce cas, la commune, autorité compétente pour qualifier le projet d'aménagement, a mandaté une urbaniste pour réaliser une étude urbaine sur ce secteur. Donc, l'objet de l'étude est des enjeux. Dans le contexte global de densification des tissus urbains de Saint-Jean-de-Védas, le périmètre d'étude peut être considéré comme étant un élargissement du cœur villageois depuis le village patrimonial jusqu'au quartier nouveau de Roquefraisse, englobant ainsi les faubourgs vignerons, le quartier de l'Orté et l'îlot de l'ancienne cave coopérative. L'objet d'étude est d'accompagner la poursuite de la mutation d'un village à forte identité vigneronne et languedocienne vers l'affirmation d'une ville de plus de 10 000 habitants ayant son caractère propre au sein de la métropole montpelliéraine. Cette démarche a procédé en plusieurs temps pour répondre aux enjeux suivants. Tout d'abord, un enjeu identitaire, caractériser l'authenticité villageoise et vigneronne de Saint-Jean dans un objectif de protection et de valorisation des éléments patrimoniaux et de mise en scène du cœur villageois depuis les axes principaux. Un enjeu de fluidité des espaces publics. Donc, il s'agit d'inscrire le cœur élargi dans les schémas de déplacement existants dans un objectif de renforcement des proximités de mode actif et d'apaisement des usages des espaces publics. Et enfin, un enjeu de cadrage et d'accompagnement du processus d'identification urbaine en vue d'évaluer puis d'organiser le processus d'identification bâtie en trouvant le point d'équilibre entre l'installation de nouveaux logements, locaux commerciaux ou d'activités, voire d'équipements, et le maintien de la qualité du cadre de vie, en particulier paysagère. Donc, pour présenter le projet et ses ambitions, le constat est fait que Saint-Jean-de-Védas manque d'un centre à la mesure de son échelle, aujourd'hui métropolitaine. De nouveaux commerces et services s'installent spontanément sur les flux de zones et d'échanges autour du carrefour Paul Bernard. Mais l'usage routier de la RM 613 interfère les déplacements naturels des piétons d'une rive à l'autre de cet axe. Les ambitions de l'étude urbaine pour le périmètre du PAPAG sont de favoriser l'émergence d'une centralité forte et attractive, nécessaire pour la ville qui concilie la valorisation de l'axe historique du village, donc l'avenue de la Libération, grande rue, identité forte de Saint-Jean-de-Védas, l'amélioration des transversalités nord-sud, la reconquête des espaces publics pour les piétons en favorisant les continuités et la fluidité des cheminements entre les différents lieux d'attractivité qui composent le centre. Donc, s'appuyant sur un diagnostic complet du secteur sous différentes approches, un plan d'action a été défini pour transcrire les objectifs suivants sur ce périmètre. Apaiser l'espace public et favoriser les usages cycles et piétons. Maîtriser le potentiel de densification et identifier les fonctions d'usage. Conforter le cadre paysager et climatique. Donc, la synthèse de tous ces objectifs permet de définir les principes programmatiques de réinvestissement urbain sur ce secteur. La poursuite de cette étude permettra de définir les orientations d'aménagement et le règlement urbain correspondant. L'ensemble de cette étude urbaine, jointe à la présente en annexe, sera retranscrit dans le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal actuellement en cours de finalisation. Dans ce contexte, il est proposé d'instaurer un périmètre d'étude qui permettra à la commune d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation qui seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement. J'en ai fini. Vous avez des questions ? Merci beaucoup. Des questions sur le PAPAG ? Allez-y. Oui, quelques petites questions simplement sur l'étude. La voie de l'avenue de la Libération dans le plan de circulation, elle deviendra en sens unique, c'est ça ? C'est pas l'objet du PAPAG, hein. Pardon ? Ce n'est pas l'objet du PAPAG. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est juste sur le blocage, sur la réalisation du PAPAG, sur l'étude, c'est non, ça ? Non, on est en termes d'urbanisation, là, on n'est pas en termes de flux de circulation.
C'est une étude plus globale qu'on est en train de mener avec la métropole et la cellule mobilité. Mais ce n'est pas l'objet propre du PAPAG. D'accord. Et sur de ce fait, l'éventuelle requalification et les aménagements faits autour du carrefour Paul-Bernard, c'est pareil sur ce qui est prévu? Parce qu'il y a une vraie polarité forte qui va être autour des halles centrales, du carrefour Paul-Bernard, qui sera requalifié. Mais c'est là, on a, en matière de le PAPAG, c'est un projet plus d'urbanisation. Il est dans le périmètre, le carrefour Paul-Bernard est dans ce périmètre-là. Il est certain qu'avec les halles et au niveau du terminus, cette nouvelle centralité va demander une requalification de ce carrefour. Mais là, c'est en termes de mobilité qu'on parle. Ce n'est pas en termes d'urbanisme. D'accord. Bon. Je vous remercie. Et je vais compléter parce que... Bon, on en discutait avec M. Fonvieille cet après-midi encore. On parle souvent du triangle qui est en face de la mairie, entre le poste de police et l'ancienne coopérative et le carrefour Info Paul-Bernard. On m'avait annoncé 180 logements, mais j'ai découvert que c'était 220 et une première proposition d'un promoteur immobilier qui était 280. Jusque-là, je ne me trompe pas. Il n'y a aujourd'hui aucune vente qui n'a été réalisée. Il y a des promesses d'achat, mais rien n'a été vendu. Quelques maisons vers la pointe qui, aujourd'hui, les promoteurs se sont positionnés. Mais il y a un grand nombre de Védasiens qui habitent là qui ne veulent pas vendre. Donc, tant qu'ils habiteront chez eux et qu'ils ne vendent pas, il n'y aura pas de projet immobilier à cet endroit-là. Il n'y aura pas de marche forcée de notre part de faire en sorte qu'ils partent pour faire un grand projet comme il était prévu. D'où le fameux bassin de rétention qui était prévu au Rouder. Et quand la métropole, on s'était entretenu avec eux au début du mandat, on leur avait expliqué que nous, on n'était pas favorables au projet immobilier qui était un petit peu dans les cartons. Et donc on leur a dit, le bassin de rétention, il n'a plus lieu d'être. Et donc ils ont dit, oui, vous avez raison, parce que si on ne rase rien et qu'on construit rien à la place, le bassin de rétention au Rouder, on n'a pas besoin de le faire. Donc j'ai fait annuler le bassin de rétention là-bas. Donc avant qu'il y ait un immeuble qui sorte ici, on peut attendre. Quelqu'un d'autre? Non? Oui. Ça veut dire parce que... Moi, j'avais posé cette question concernant ce bassin de rétention parce qu'il y a longtemps que les habitants, c'est venu avec Géraldine de Robert l'autre jour qui m'en a parlé, il y a longtemps que les habitants des Rouder se posaient des questions sur la réalisation de ce bassin pour des problèmes de proximité, de limite de propriété. Donc, quand j'ai vu élaborer le PAPAG l'autre jour au niveau du plan que tu nous as présenté quand on était en réunion l'autre jour, j'ai dit, il y a une chose qu'il faut faire avec le service d'assainissement de la métropole, c'est intégrer le bassin versant de ce secteur des Rouder. Et si cette zone, effectivement, se construit, on imperméabilise. Donc, il faut récupérer ces eaux. Donc, c'était pour ça. Donc, c'était pour aussi répondre à la question des habitants. Donc, monsieur le maire, la question, c'est ça. Donc, ce bassin, on ne le fait pas parce qu'on a véritablement beaucoup de chance de ne pas construire sur ces parcelles-là. Tout à fait. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui habitent dans cette zone qui ne veulent pas vendre que de gens qui sont prêts à vendre. Et aujourd'hui, les promesses de vente, elles sont faites par des personnes différentes, des entités, des promoteurs différents. Donc avant qu'après les promoteurs se remettent d'accord, tu as acheté la maison à gauche, moi j'ai pris celle-ci, tu me la vends, je te la rachète, on est tranquille pendant très longtemps. Une autre intervention Elle arrive en retard, mais elle vient. Le travail oblige. Voilà. Merci. Je soumets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? 3. Adopté pour le reste. Merci beaucoup. Et la dernière question pour Ludovic Trépro sur le règlement intérieur de la maison de la petite enfance. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, une petite pensée pour tout le personnel de la maison de la petite enfance que je vous souhaite remercier pour leur professionnalisme au quotidien et leur travail. Le règlement intérieur en vigueur sur la maison de la petite enfance doit évoluer sur certains points comme
les interventions de la psychologue dans le cadre de la formation des assistantes maternelles, ou encore l'explication de la possibilité du choix de repas végétariens à l'instar des cantines scolaires et de l'ALSH. Ces modifications sont le fruit d'évolutions au sein du service, mais elles ne traduisent que des changements mineurs et ne modifient en rien le fonctionnement global de la structure. La présente délibération propose donc de modifier le règlement intérieur de la maison de la petite enfance. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Donc je vous soumets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Merci pour la petite enfance. Monsieur Fonvieille. Marche, oui. Bon, on a quelques questions à poser verbalement. Première question. Construction des halles. Nous manquons de visibilité sur ce projet. Quelle date pour le démarrage des travaux ? Quand pourrons-nous avoir un plan précis de situation et une photo du projet, avec bien évidemment les parkings qui vont autour pour voir un peu comment ça va se passer, quoi. Donc c'est quoi le... Quand est-ce qu'on peut dire qu'à Saint-Jean, on aura une vision du projet phare de la mairie ? Donc les études urbaines, plan de masse, les fiches de l'eau, parce que les, je ne vais pas vous la prendre à vous, hein, mais la ZAC, c'est des tranches, et dans chaque tranche, il y a des lots. Et là, la tranche 5, donc la dernière, là où il y a le parking du terminus, on travaille sur la globalité de la tranche, et puis on ne raisonne plus en forme de lot. D'où le projet des halles, avec une place publique de 3 800 m², 10 000 m² de logements, 1 600 de commerces et 1 400 de bureaux. Donc, les études urbaines, on est sur tout ce qui est plan de masse, comme je disais, pour une vision nette, claire et précise en mai 2022. Les travaux d'espace public, donc ce qu'on appelle, on va dire, la voirie, tout simplement, donc Carrefour à Feu Paul Bernard, et la place centrale, début été 2022. C'est la fameuse route qui est la rue Chemin de la Roque et qui permettra de rentrer. Voilà. Donc on commencera déjà autour de ce Carrefour à Feu Paul Bernard, du moins, autour de cette future place centrale et logement, de faire la voirie cet été. On commence les travaux le 27 juin et on finit le 28 août, une histoire comme ça. Ouais. Sur les procédures foncières, c'est hiver 2022. En même temps, nous allons désigner le porteur du projet. Il y aura forcément un concours d'architectes. Donc ça, pour le porteur du projet, l'idée, c'est fin d'année 2022. Ensuite, entre les études et les recours, c'est 2023. Début des travaux 2024. Et si tout va bien, on fait l'inauguration pour Noël 2025. Et sur les plans, j'ai pas plus que les plans que je vous ai présentés lors de la réunion publique le 25 novembre. C'était ce que m'a présenté la CERM le matin. Voilà. Sur les halles, voilà où on en est. Suivant. Ça, oui. Autre question. Où en est l'avancement du projet des panneaux photovoltaïques sur Cayenne portés par la famille de Boisgelin ? La municipalité est-elle d'accord pour voir cette réalisation se réaliser ? Et quel est l'intérêt financier pour nous, puisque vous nous aviez informé qu'il y aura un intérêt de voir fonctionner ces panneaux photovoltaïques, parce que ça pourrait nous permettre d'avoir de l'électricité peut-être à un prix plus bas. Donc c'est quoi le delta ? Sur les chiffres, on est donc oui, on est bien sûr une énergie verte. L'aspect financier, la ville récupère 680 euros de taxes par an. La métropole, 18 700. Mais la commune obtient 80 000 euros pour tout ce qui est, on va dire, mécénat, soutien au grand projet de la ville. Alors, quand je dis grand projet, grande manifestation de la ville, ça, c'est le plus. Aujourd'hui, moi, je me suis entretenu avec Jean-Pierre Ricot, qui est le maire de Pérol, qui est à la délégation des gens du voyage, ainsi que le maire de Villeneuve-les-Maguelones, parce que nous sommes obligés, entre Villeneuve et Saint-Jean, d'avoir une aire d'accueil de grand passage.
Et comme je l'ai dit lors d'un réunion publique, la métropole avait fléché ce terrain-là pour accueillir les gens du voyage. Entre nous, je préfère les photovoltaïques là que les gens du voyage sous l'autoroute, en plein milieu de Cayenne, au bout de la Garrigue. Donc aujourd'hui, on tend plus, et ce qui est beaucoup plus cohérent pour les accès routiers, c'est en face du... Quand vous sortez, quand vous avez passé le pont de Villeneuve, quand vous repartez direction la route de Sète, un terrain qui serait sur la droite. Et l'avantage, c'est qu'on est à proximité d'une départementale, alors même si c'est une route métropolitaine encore à cet endroit-là, mais on est sur des axes routiers qui permettent un trafic beaucoup plus simple que si on avait installé à Cayenne. Sur les photovoltaïques, je n'ai pas plus de retour à ce jour que le jour où je vous ai fait la présentation lors du conseil municipal, qui devait être avant c'était au mois de juin, je crois, fin juin. Elle est un peu simple. Bon, je vais vous faire un peu rigoler parce que ça nous intéresse quand même fortement pour la chasse, nous, quand même, cette partie de terrain là. Donc, on aime bien savoir quand est-ce que ça bouge, quoi. Voilà. Bon, autre question. Je reporte un petit peu ce qu'on entend par le biais de dans les conversations avec des citoyens védasiens. Voilà. Alors, on passe de photovoltaïque à d'autres choses plus simples, mais c'est important pour beaucoup de gens. Une haie en bordure de l'école Louise Michel n'est plus entretenue à l'intérieur de l'école, quand on regarde l'école Louise Michel de face. Elle est très haute. C'était Parra qui la coupait, donc pareil, il n'est plus là. Donc on ne coupe plus la haie. Alors, les riverains souhaitent savoir si elle sera enlevée et par quoi elle sera remplacée. Sa position en bordure de la cour de récréation nécessite une réflexion à l'égard du bruit. Que pensez-vous faire? Parce qu'on est véritablement... avec cette haie qui aujourd'hui fait presque 3,50 m, fait plus de 2,50 m de large, ça crée véritablement un écran qui protège tous les riverains sur le côté du bruit. Ça veut dire que, l'autre jour j'en ai parlé à des gars de la commune qui bossaient, ils vont dire « Ah ouais, ça va être sous-traité, ça va être arraché ». Qu'est-ce qu'on va mettre pour pouvoir protéger les villas qui sont derrière et éviter le bruit, quoi. Voilà. C'est important, quoi. C'est un sujet à prendre au premier degré. Je ne demande pas de réponse tout de suite, mais il faut que ça soit pris en compte, quoi. Voilà. Oui, alors bon, c'est vrai, c'est original comme question pour un conseil municipal. La haie est dangereuse dans le cadre de son entretien par les agents municipaux. Donc effectivement, on avait M. Parra qui était plus gaillard et plus... averti que les autres. Donc il a été proposé de la couper, de la remplacer par une autre style de haie, mais pour l'instant, M. le maire a décidé de mettre un peu le truc en stand-by, il y a eu des discussions avec des riverains, et là, côté technique, on serait plus pour son remplacement, et ça va être aussi, dans le cadre des cours Oasis, partie intégrante du réaménagement de la cour, quoi. Mais l'avis technique définitif n'est pas fait, quoi. Si la décision n'est pas totalement prise... Taillez-la, faites-la tailler, parce que les types qui habitent derrière, enfin bon, nos riverains, ils sont pas très contents, parce que maintenant, ça ressemble plus... Enfin bon, je vous l'avais fait voir la dernière fois, mais c'est un sujet qu'il faut traiter, parce que ça fait un moment que ça dure. On va le traiter. Voilà. Bon, merci. Autre chose. Colmater les nids de poules et fermer les fissures. Voilà. La voirie actuelle nécessite ponctuellement de l'entretien pour colmater des nids de poules et fermer des fissures. C'est ce qui s'appelle dans l'industrie routière le travaux préventifs et l'entretien. Les chemins de Lérande, de Bugarel, de Puechelon doivent recevoir un enduit bicouche pour les renforcer. Ils sont tous très circulés. Pouvez-vous programmer des travaux au printemps prochain? Ces chemins, nous les avions refaits, nous, quand on était aux affaires, nous les avions refaits parce qu'ils sont très circulés par tous les gens de la ferme Aude, par les gens qui se baladent de partout. Et ça circule beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui chantent Saint-Jean par là. Et donc, le risque, c'est qu'ils passent des marteaux dedans. Voilà, c'est qu'ils passent des types qui passent en sens interdit, qui roulent comme des cons. Il y a beaucoup de gamins, de jeunes, de gens qui passent en vélo dans tous les sens, ainsi de suite. Et quand on est sur des chaussées qui ne sont pas protégées, on risque des accidents. On a quand même... Vous vous rappelez quand même que... Il y a 3 ans, il y a un gosse de 15 ans qui est mort sur le chemin de Bugarel, hein, oui. Qui s'est fait tuer en moto. Là. Bon, et l'autre, je ne sais pas dans quel état il est, mais ce que je veux dire, c'est des chemins qui sont très circulés.
je mets l'accent dessus parce que c'est des petits enduits superficiels, mais ça nécessite véritablement d'être entretenu. Mais sur le chemin de Bugarel, déjà, il va y avoir les premiers aménagements, donc des travaux de voirie qui vont être réalisés après Noël, comme au premier trimestre, parce qu'on fait enfin cette piste cyclable qui partira du château du Terral jusqu'à Ovalie. Voilà. Allez, les pins situés rue Béjargues. Ah, tu veux rajouter... pardon. Attends. Je voulais juste, M. Fonvier, oui, effectivement, le chemin de l'Hérande est très emprunté, c'est une route de chinte qui est pris par les livreurs, par certains résidents, etc. On en discute avec la métropole dans le cadre justement du plan de circulation de voir une mise à sens unique de ces voies pour éviter justement tout ce flux de circulation. Parce que pour apaiser, si on fait le chemin cyclable Bugarel, il s'agit d'apaiser aussi ce secteur qui est un grand secteur de promenade avec beaucoup de piétons et de cyclistes. Donc voilà, la question elle se pose de sa mise en sens unique. Merci, je constate qu'il faut surtout apaiser la métropole. Bon, sincèrement, Christophe, je ne trouve pas du tout qu'ils répondent à nos besoins. Ils font comme ils veulent. Hein, on a, avec Isabelle, c'était pareil. Avec François, c'est pareil. De toute manière, on est les parents pauvres. Il vaudrait mieux que la voirie, on la gère nous-mêmes, on serait moins embêtés. Bon, autre sujet. Les pins situés rue de Béjargues ont des racines qui déforment les voies. On avait fait des reprises ponctuellement. De plus, ponctuellement, ces racines pénètrent sous les maisons, et c'est ça qui devient ennuyeux, et créent des fissures à l'intérieur des garages. Il faut enlever ces arbres, réparer, et replanter des arbres avec des racines moins agressives. Cette requête existe depuis plusieurs mois, il faut finir par la traiter. Nous, quand on était aux affaires, on avait fait des reprises ponctuelles, vous en avez fait vous aussi, sauf que ces bons lieux de racines, elles continuent, elles traversent les trottoirs, elles passent dessous, elles rentrent à l'intérieur des propriétés. Quoi. Et donc le type qui a sa baraque, il est bien gentil, mais il a ses garages qui éclatent. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment sérieux. Quoi. Voilà. Allez, on est d'accord sur ça. Ensuite, Christophe. Hop. Et dernier point, il faut faire nettoyer les avaloirs gris sur toute la commune. C'est-à-dire que c'est bien beau de voir passer notre copain là qui joue au tirage le matin, là, qui bosse là, comme un fou à 5h30 du matin et qui va chercher des billets de loterie, mais il nettoie les feuilles, mais sauf que les feuilles elles sont toutes au milieu des avaloirs. Les avaloirs gris, ils ne sont plus nettoyés. Ils n'ont plus entretenu, comme ce ne sont pas nos cantonniers et nos agents qui font le nettoyage. C'est que la métropole, bonjour, au revoir, je t'ai vu, les avaloirs gris, ils sont bouchés. Ce qui veut dire que le jour où il y a de la flotte, eh bien, l'eau ne part pas, voilà, et on colmate tout. Parce qu'en plus des gris, il y a de la terre, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... il faut remettre l'accent sur l'obligation faite aux riverains de tailler leurs haies. Il y a des gens qui s'en foutent. Monsieur Laporte, je cite personnellement, qui est le roi des espaces verts et des petits oiseaux, ainsi de suite, il taille pas sa haie aux bordures du chemin des coteaux là-bas. Ce qui fait que les gosses et les femmes qui passent, elles passent dans la rue. Parce que lui, il la taille pas. Il trouve que c'est joli. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça. Donc, à un moment donné, il faut mettre un coup de semonce. Voilà, je vous remercie. Sur la taille des haies, je signe beaucoup de courriers. Mais Monsieur Robin, il va aller voir Monsieur Laporte, il lui dira. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. On a épuisé l'ordre du jour. Merci beaucoup. Demain soir, conseil d'administration du CCS. Donc ceux qui sont au conseil, on se voit demain soir. Il y a aussi la commission d'appel d'offres pour les élus qui siègent à la commission d'appel d'offres pour les escoliers jeudi soir. Samedi, le marché de Noël au Chez du Terral, avec plein d'événements. Vous avez récupéré chacun une petite pile, comme ça, si vous croisez des enfants, des adultes, peu importe, qui sont intéressés pour venir, ils ont les infos. J'ai expliqué tout à l'heure que les vœux prévus le 7 janvier sont donc annulés. Et donc nous verrons pour le prochain conseil municipal qui aura lieu pour le budget le 27 janvier à 18h30.
vous l'avez ou on vous l'envoie.